Tiens, tu entends ma voix, ton micro. Yo, vous m'entendez? Yeah, mon micro est de retour. Autant pour moi, donc je recommence. Bonsoir à tous. Nous sommes lundi, c'est Culture Bulle. Je suis très content de vous retrouver. Je disais qu'on était dans une émission Culture Bulle assez spéciale, car premièrement, c'est une collégiale où on aura donc un membre de nos trois disciplines, que ce soit du manga, de la bande dessinée ou du webtoon, mais c'est surtout une émission spéciale car nous allons fêter ensemble ce soir les 100 ans de la maison d'édition Dupuis. J'espère que vous avez passé un bon week-end, c'était assez ensoleillé. Moi, j'en ai profité au max. J'étais un peu en déplacement la semaine dernière, donc j'ai pu me reposer un peu ce dimanche. Et le lundi a été cool aussi, même si j'ai beaucoup, beaucoup bossé pour cette émission. D'ailleurs, dites-moi dans le chat si vous avez passé un bon début de semaine, comment vous notez cette journée entre 1 à 10? Un petit truc nouveau, j'ai envie de voir comment vous notez votre lundi. Et après, je m'imaginerai, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour l'améliorer. En tout cas, donc nous allons fêter les 100 ans de Dupuis tous ensemble. Mais pour ce faire, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné d'une fine équipe qu'on va accueillir dès maintenant. Bonsoir tout le monde. Salut. Salut. Salut, vous allez bien? Bonsoir. Ça va, ça va. Ça va, très bien. Alors, c'est une soirée de fête? C'est une soirée de fête, on va Ouais. s'amuser un peu. Je veux voir des smiles, même si on a beaucoup travaillé aujourd'hui, je veux voir des gros sourires. Et bonsoir Alix, tout d'abord. Tout va bien? Eh ben bonsoir, ouais, ravi d'être là encore pour un super thème puisque c'est quand même un gros anniversaire qu'on fête cette année et on est super content de pouvoir le faire avec tout le monde. 100 ans, c'est pas tous les jours, hein. Ouais, C'est le cas de il le n'y a pas dire. toutes les maisons d'édition qui peuvent dire ça, on est très fiers là. Bien sûr. Sébastien, comment tu vas? Écoute, ça va, ça va, ça va, et j'avoue Ça roule? que du coup, 100 ans, c'est un truc de ma boule, quoi. Je suis assez, Ouais, moi je suis. ouais, assez content d'être là. J'y m'attendais pas. Ouais, on pourra dire pour les 100 ans de Dupuis, il y avait Alix, Sébastien et notre invité du soir, Morgane Di Salvia. Comment allez-vous? Je peux te tutoyer, je te vouvoie, Eh je ouais, fais non, des cours. tu vas me tutoyer. Comment tu vas, Morgane? Ça va très bien, merci beaucoup de m'avoir invité dans Culture Bulle. Je suis ravi d'être avec vous ce soir et de Tu es à la découvrir maison. l'émission de l'intérieur. Un petit peu, ouais. Yes. Tu es à la maison. Morgane, est-ce que tu peux nous rappeler tes fonctions au sein de la maison d'édition Dupuis? Oui, moi je suis le rédacteur en chef du journal Spirou, tout Rien simplement. que ça, il le dit avec un Oh là calme là, non mais olympien, vraiment en aplomb et avec tout. classe. Tu vois, avec classe, C'était moi obligé, c'était j'aurais obligé. bombé un peu, je crois. Moi, j'aurais fait, moi, je suis le rédacteur en C'est chef. ça. Moi, j'aurais fait comme ça. Non. Le réflexe à mort, toi. Alors, Non, première non, question il que faut j'ai faire envie de ça vous. cool. Première question que j'ai envie de vous poser, tous les trois. Est-ce que vous avez récupéré d'Angoulême? Alors, nous, oui, mais a priori, vous aurez noté qu'il manque une personne autour de cette Yes. table. Il Oui. manque donc Ça, voilà. Cédric. Oui, Cédric qui devait être avec nous ce soir, mais qui ne peut pas être là. On te salue, j'espère qu'il regarde l'émission. En tout cas, on te fait un gros coucou. Double pour la semaine prochaine, je crois qu'il y a une émission spéciale Webtoon. Eh ben, on doublera l'émission pour toi, on fera 6 heures d'émission, ça te va. C'est ça. Normal, Il va normal. être ravi. Ça me paraît juste. Ouais, ça me paraît de bonne guerre. En tout cas, je vais vous saluer tous, vous qui êtes là dans le chat. Bonsoir à tous. J'ai pas pu lire. Je vous ai posé une question, mais je suis très impoli. J'ai pas lu la note que vous donniez à votre lundi. Mais en tout cas, j'espère que ça s'est bien passé tout à l'heure. J'ai vu passer des 4, des 3, des 7 sur 10. Comment tu notes ton lundi, Alix, toi? Ben moi je le note plutôt 7 parce que ça reste un lundi, faut pas déconner, mais quand ça commence avec une émission Twitch, c'est toujours sympa. Ok, cool. Et toi, Sébastien? Bah, je sais pas si ça commence à passer de la pommade à base. Ah, j'ai une trop bonne note parce qu'il y a une émission Twitch. Je vais mettre 8 alors. Non, mais Aïe, j'ai non. gommé. Non, mais en plus, j'ai gommé des trucs de ma liste des to-do aujourd'hui. Là, deux gros trucs, donc je suis content. Ouais, il y a eu un petit 8. D'accord, un Voilà. petit 8. Et toi, Morgane? Oh, je mettrai 7 parce qu'à la fin de la semaine, je pars en vacances. Et donc, tous les jours, je vais essayer de gommer un Ah. point pour arriver à 10 vendredi soir, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, c'est mon plan pour la semaine. Okay. T'as de la chance. Moi, je mettrais un petit 6. Je mettrais un petit Ouh. 6 Ah parce ouais? que j'ai eu. Ce matin, c'était un peu dur avec le changement d'heure, tout ça.
Un peu, Ah oui. quand il a fallu régler le réveil, j'ai senti de la pesanteur un peu bizarre, un peu plus lourde que d'habitude. Mais l'essentiel, c'est qu'on passe pour remonter le moral de tous les amoureux de bande dessinée, de manga, de webtoon. C'est Culture Bulle. On va pouvoir commencer l'émission, une émission spéciale 100 ans de Dupuis. Et on va vous proposer ce soir une rétrospective, excusez-moi, de ces 100 années. On a réussi à diviser tout ça en décennies. On va faire décennie par décennie. Donc, on va commencer par les années 20. C'est bien ça? Je dis pas de bêtises? Exactement. Yes. C'est beau. On commence donc par les années 20. Alors, les années 20, c'est assez simple. Le monde entre dans ce qu'on appelle les années folles. Et il y a un petit gars à Marcinelle en 1898 qui était déjà imprimeur et qui se décide à lancer sa maison d'édition. Ce petit gars s'appelle Jean Dupuis. On a quelques images. Il va falloir aller assez vite en régie pour montrer tout ce que je dis. Voilà, on a une belle image d'époque. La rumeur dit que Sébastien était déjà là. Absolument. J'étais déjà là, j'étais en train de dire, vous voulez pas faire des mangas? Et tu vois, ça m'a pris, une 100 ans pour, 100 ans pour les convaincre. Mais en tout cas, ça a commencé donc en Belgique, à Marcinelle, avec un imprimeur qui se lance dans le monde de l'édition. Il s'appelle Jean Dupuis. Il commence donc par un magazine qui s'appelle Les Moustiques, qui est spécialisé dans les programmes radio. C'est bien ça? Non, c'est pas ça. Morgane n'est pas d'accord. J'étais trop vite. Il y a eu je t'écoute. Un petit magazine avant. Ouais, il y a un petit magazine ah ouais qui s'appelait Les Bonnes Soirées. Et c'était un magazine oui. qui faisait des feuilletons littéraires, en fait. C'était d'accord. Des romans en épisodes. D'accord. Et j'étais justement en train de... Tu vois, ils étaient en couple dans ma description. Donc voilà, tu m'as mis le premier croche-pied de la soirée. Attention, je t'ai à l'œil. Ah, ok. Ouais, ok. Excuse-moi. Attention, je suis allé. Alors, on peut remarquer que justement, donc il y avait un magazine qui était plus pour la gent féminine, un magazine qui parlait des programmes radio. Est-ce que vous avez encore des traces de ces magazines? Ouais, en Ou fait, plus du tout? Moustique, quand ça. Si, si, Moustique, ça existe toujours. Ça ne fait plus partie de notre maison D'accord. d'édition. Parce que ça a été revendu dans les années 1980. Mais Moustique, ça a été. Maintenant, ça nous paraît un peu désuet, quoi. Un journal qui fait les Ouais. programmes radio. Sauf que c'était l'équivalent de Twitch à l'époque. Enfin, je veux dire, c'était le D'accord. truc cool à faire, quoi. C'était faire Ah un bien sûr. magazine qui te racontait ce que tu allais entendre à la radio. C'était le top de la modernité. Donc en fait, Jean Dupuis, dès les années 20, il a du flair, quoi. C'est un type qui a compris là où seraient les médias du futur, quoi. Et Moustique, c'est un des D'accord. premiers. Et voilà. Et comme le dit Et Steyer dans le chat, en effet, le moustique, on le retrouve dans les aventures de Spirou et Fantasio. Donc il y a plein de clins Bien d'œil sûr. à cette historique-là. C'est chouette. Là, c'est Ah ouf. oui, Et parce que donc, pendant toute une époque, le moustique accueillait des dessins d'humour, quoi. Et tu as plein d'auteurs du journal Spirou qui ont aussi bossé pour Moustique avant. D'accord. Et c'était donc en 1920, on était donc en période après la Première Guerre mondiale. On va voir tout au long de l'émission que les artistes, souvent, lorsqu'il y a des guerres ou des pandémies, les artistes réagissent souvent avec une explosion d'œuvres. Et ça, ce n'est pas pour nous déplaire. On a eu un exemple récent avec la pandémie récente du Covid-19. Est-ce que vous avez senti, justement, non pas que parce que les artistes étaient confinés, mais est-ce que vous avez senti auprès de vos artistes une envie de faire plus, une envie d'aller plus vers leur public? Oui, parce que si tu veux, je crois que les artistes, et notamment ceux de la bande dessinée, bah, ils ont une grande sensibilité au monde, et généralement dans leurs histoires, bah, ils racontent, ou ils ont, je dirais pas qu'ils ont comme une prescience, mais ils sentent un peu les choses, et ils ont envie de les raconter à leur manière, dans le langage de la bande dessinée. Et puis surtout, c'était le dernier truc qu'on pouvait faire. Enfin, souvenez-vous, on a tous essayé d'effacer ça de notre mémoire, mais au tout début du confinement, on pouvait rien faire. Je veux dire, à part regarder des Ah, bien films en sûr. streaming ou Ah, écouter de la musique en vache. streaming, Ah, vache. c'était le dernier truc qui C'était sortait. dur. Il n'y avait plus de cinéma, il n'y avait plus d'exposition. Donc le seul truc physique que tu pouvais faire, c'est recevoir une BD dans ta boîte aux lettres. Et nous, on a reçu de la part des auteurs et de la part de tous nos lecteurs tellement de messages d'amour pendant cette période-là. C'est ce qui nous a aidé à tenir parce que c'était vraiment difficile, quoi, pour l'équipe de la rédaction, quoi, clairement. D'accord. Et en vérité, je tiens à tous vous féliciter, à tous ceux qui sont là sur le chat, parce que
quand je t'entends parler, Morgane, je me dis, ah ouais, on a traversé un truc de dingue. Et bah, bravo à vous d'avoir tenu, de vous être occupé, d'être là aujourd'hui, quoi, j'ai envie de vous dire. Moi, à chaque fois que j'y pense, ça me fait mal. Ah, Sébastien, j'ai cru que tu avais frisé. Je te vois Non, non, pensif. juste voilà, je suis juste pensif, je réfléchis à tout ce qu'il raconte là, c'est Pense au carrément ouf en confinement. fait. Comme, Tu penses au non, mais la confinement, ouais. vision. Mais non, mais j'avais pas vu ça comme ça, le côté de la BD, et je trouve ça très chouette en fait, très poétique. D'accord. Voilà, tu sais tout. Bah, moi aussi, donc bravo à tous pour le taf, là, tous ceux qui ont réussi à continuer à travailler en télétravail pour offrir de la culture. Je pense que c'est très, très, très important aujourd'hui encore. Alors, on a passé la première décennie qui sont les années 20. On va pouvoir entrer dans les années 30. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément plus joyeux parce que dans les années 30, l'Europe commence à ressentir les effets du krach de Wall Street, excusez-moi, de 1929. Et l'Europe se dirige lentement mais sûrement vers la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, Dupuis continue son chemin et lance son premier magazine de bande dessinée jeunesse appelé Spirou. Ça a été créé par Rob Veil. Il crée le personnage mythique et l'aventure du groom le plus célèbre au monde commence. Alors, Spirou, ça a une signification, Morgane. Ouais, en fait, Ça a une en wallon, signification. donc en patois, si tu veux, du sud de la Belgique, c'est un nom qu'on donne aux enfants un peu espiègles et c'est aussi le petit nom des écureuils. Et donc, c'est le D'accord. nom que la famille Dupuis a choisi pour le héros. Et puis, ils l'ont vraiment créé en réflexion avec Rob Veil pour en faire un personnage qui soit à la fois une mascotte et un modèle pour les gamines et les gamins qui lisaient le journal à ce moment-là. Jean Dupuis, il avait vraiment D'accord. envie de créer un personnage qui soit un modèle pour les enfants. Et c'est comme ça que le journal a commencé, tout en ayant toujours à l'esprit que ça devait être un petit peu espiègle, un petit peu impertinent. Et ça, c'est un point commun pendant toute l'histoire du journal et même des éditions Dupuis. Bah, tu disais que Jean Dupuis avait un certain flair, et ça se vérifie quand même avec la naissance du journal de Spirou, qui est encore présent aujourd'hui. Alors, le journal de Spirou n'avait pas que Spirou à l'intérieur, bien sûr. Il faisait aussi un peu d'import. Et en préparant l'émission, je me suis dit, tiens, c'est marrant ça. Tiens, tiens, c'est marrant. Parce qu'il importait des œuvres de comics US, dont Dick Tracy, et mais également, que je ne vous dise pas de bêtises, de Marc Ar Ar Hercule Moderne, qui n'est Ouais, mais autre personne que. connaît ce nom-là. C'est Ah, bien sûr, Superman. personne connaît. C'est Non. Superman, ouais. Bien Et sûr, ça, c'est Superman. paraissait sous le titre de Marc Hercule Moderne, ce qui est quand même incroyable comme traduction. Personne n'oserait plus sortir Marc Hercule Marc Moderne quand il ouvre un Superman. chenil, par exemple. Ah oui, Marc c'est Superman. génial. Moderne. Ça D'ailleurs, tout à l'heure, tout le monde enfin, paraissait dans Spirou. Ouais. quand je préparais Ouais. l'émission, j'étais, tiens, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que Ouais. cette. Ah, Et ben, c'est c'est 100% vrai. impressionnant. Ouais. Ouais, c'est parce Ah. qu'Hérou dans le chat nous dit Clark égale Marc. Est-ce que c'est un nom qui a été adapté pour l'Europe ou pas du tout? Ah oui, c'est sûr, là. Oui, clairement. Ouais. Mais tu Ouais, vois, donc c'est le vrai y a nom. une planche qui apparaît, là. Tu vois, Hercule. Donc, Hercule c'est moderne, c'est une délirant. façon, c'est bon. C'est énorme, je trouve, comme francisation. Tu vois, de dire ah, Mais grave. super-homme, ça passe pas, alors comment on pourrait le traduire? Bah, il est fort comme Hercule, mais on est dans les temps modernes. Allez hop, Hercule moderne. Exactement, non? C'est génial, en fait. C'est génial le non-respect de l'œuvre originale, mais c'est génial. Ah oui. Est-ce que Oui, c'est toi, je là, vois dans c'est le vraiment chat là? Flash Gordon, Guy l'éclair. Flash Gordon, Guy l'éclair. Bah, c'est en Exactement. plus une traduction littéraire. Exactement. Exactement. Disons que Marc Ouais. Et Hercule c'est. moderne, fallait oser, quoi. Ouais, fallait oser. C'est moi, ça me renvoie direct à Ken le survivant, mais c'est un autre sujet parce qu'on a eu aussi C'est nos ça, petites pareil. barres, nos petites barres de rire. Alors, il y a eu de l'import US. Est-ce qu'à votre connaissance, c'est les seuls, parce qu'on a cité Dick Tracy, on a cité aussi, pour le coup, Marc Hercule Moderne, est-ce que c'est les seules œuvres qui ont été publiées dans le journal de Spirou? Non, non, il y avait En aussi du import. western. Il y avait aussi un western américain qui s'appelait Red Rider. Et qui a D'accord. continué pendant quelques années jusqu'à l'interruption pendant la guerre, en fait. Dans les années qui ont suivi, ça a été D'accord. interrompu et ça a été dessiné par des auteurs européens qui ont repris le personnage. Comme les planches n'arrivaient plus, en fait, il y avait vraiment un blocus sur l'import de planches parce que n'oublions pas qu'il y avait les planches, elles arrivaient par la poste. Il n'y avait pas Oui. d'Internet. Donc, Oui, bien quand tu sûr. n'avais plus tes planches américaines, ça prenait des mois presque pour arriver. Donc, il fallait qu'on trouve quelqu'un sur place pour le faire. Et heureusement, assez vite, à la rédaction de Spirou, s'est fédéré tout un groupe d'artistes qui ont pu faire le D'accord. boulot assuré, quoi, et notamment quand il y a eu la pénurie. D'accord.
Mais c'est. Moi, j'ai des petits souvenirs de Dick Tracy, étant enfant, notamment un film avec Madonna, il me semble. C'est bien ça. Et un jeu vidéo sur Mega Drive. Sébastien, ça te parle ou pas du tout? Non, pas trop. Pas Je ne trop. vois pas de quoi tu parles. Moi, Je ne vois pas de quoi tu parles. Non, je non. pensais que tu étais là en 1920. Je me suis dit, tu as traversé les époques, tu dois connaître forcément. Non, je déconne. Ah, ça suffit maintenant. Eh, dis donc. Oh. Oh. C'est bon, Tu pousses j'arrête. le bouchon un En peu tout trop loin, cas, même. C'est pas parce que tu es en bleu et que je suis en rouge qu'on est obligé d'être ennemis, tu sais. non, on est très amis en plus. En tout cas, Dick Ouais, Tracy, en t'avais pas préparant capté l'émission, ça? le code couleur. Il y avait un Le code bleu? couleur vestimentaire, apparemment, ouais. Ouais, on est tous en bleu sauf toi. C'était un piège. En tout Je suis cas, le ouais, Dick méchant, Tracy, ça m'a en préparant l'émission, ça m'a donné un peu envie de redécouvrir cette œuvre qui, pour moi, est tombée dans l'oubli, bizarrement. Je ne sais pas si c'est encore en publication aux US, mais c'est une chose dont on n'entend plus parler. Si on faisait un bingo tout de suite, je te dirais que dans les, allez, 10 ans, Disney sortira un truc sur Dick Tracy, quoi. Peut-être. Bah, mais, tu C'est sais, quand tu possible. regardes la dernière version de Batman, celle qui vient de sortir là, il y a une quinzaine de jours, ils l'ont vraiment ramené vers le genre détective. Tu vois, au tout début, Oui. Batman, c'était dans Detective Comics, quoi. Donc c'était vraiment un truc d'enquêteur, dans une ville sombre et tout ça. Dick Tracy, c'est un peu ça. Donc, qui sait? Je ne sais pas, par contre, si ça paraît encore aux États-Unis. Vous l'avez tous vu, le Batman ou pas? Pas encore, pas Pas encore. encore. Donc, pas de Pas spoil. encore. Ah, n'est-ce pas? Ok, bah, on ne peut pas en parler. que c'est un homme chauve-souris, c'est le seul truc que je sais. C'est un homme, exactement, avec un. Avec Je ne sais pas un, qui est Batman, un... alors ne me dites pas. D'accord, ok. Donc, en tout cas, on peut fermer la page des années 30 et aller dans les années 40, qui sont encore dans le contexte assez dur, puisqu'on est en pleine Deuxième Guerre mondiale. Malgré ça, la recette Spirou prend forme et le magazine devient un véritable laboratoire créatif. Jean Doissy lance courant. Le courant des amis de Spirou, excusez-moi, et invite les lecteurs à se serrer les coudes pendant la guerre. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Morgane, pour les amis de Spirou? Ouais, donc Jean Doisy, c'était un journaliste de Moustique, dont on a parlé. Donc il D'accord. écrivait dans Moustique, et un de ses pseudos dans Moustique, c'était Fantasio, comme le futur Fantasio qu'on connaîtra dans les aventures de Spirou. Et donc Doisy, bah, il écrivait pour les éditions Dupuis, avant que Spirou existe. Et puis il est devenu assez rapidement le principal animateur du journal à ce moment-là. Le titre de rédacteur en chef n'existait pas encore, mais dans les faits, c'est à peu près ce qu'il faisait. Même si c'était surtout la famille Dupuis qui décidait de ce qu'on allait mettre dans le journal, et notamment Charles, qui était un des fils de Jean Dupuis, et qui donnait des indications, en tout cas des indications de valeur. Et si tu veux, Jean Doisy, il était lui-même résistant pendant la guerre, donc contre l'occupant, et il a voulu créer un groupe qui s'appelait Les Amis de Spirou, et c'était une sorte de réseau social avant l'heure, si tu veux, c'est-à-dire que tous les petits lecteurs qui voulaient être dans le code, enfin qui voulaient entrer dans les Amis de Spirou avaient un code d'honneur à respecter, qui était un code super humaniste en fait. L'idée était vraiment D'accord. de respecter des valeurs positives, surtout dans ces moments très compliqués pour des enfants. Enfin, on souhaite à aucun enfant de nos jours de revivre la guerre, on espère que ça n'arrivera plus jamais. Mais à ce moment-là, le journal a joué un rôle vraiment pour donner du courage aux gamines et aux gamins qui nous lisaient. Et donc il y avait toute une espèce de mythologie des amis de Spirou, et ils ont été assez vite des dizaines de milliers. Je pense que je n'ai plus les chiffres précis en tête, mais je crois qu'on n'était pas loin de 300 000 amis de Spirou, C'est énorme. donc c'est énorme quoi. Et ils se sont vraiment serré les coudes. Il y avait le code d'honneur, il y avait des messages codés en mots-clés dans les pages du journal, et la légende raconte que il y a même eu des messages de résistance qui ont été cachés dans le journal pendant cette période sombre de l'histoire quoi. Donc c'est quand même génial. D'accord. Enfin, je veux dire, nous, C'est rédaction actuelle, incroyable. être les héritiers de ça, on est obligé d'assurer quoi. Tu peux pas être nul. Ouais. Puis je crois que tu Bien sûr. nous disais pendant la pandémie, enfin pendant la pandémie qu'on a vécue, que même pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas eu une interruption du journal Si, Spirou. il y en a eu une quand même vers 1942, parce qu'il y avait des pénuries de Ouais. papier et des choses comme ça. Donc il y a eu une petite interruption. C'est la seule dans l'histoire, en Enfin, quand fait. même, quoi. C'était vers C'est fou, 42-43. quoi. Pour raison Mais ils ont technique, été c'était pas hyper pour. courageux. Oui, il y a eu de la censure aussi de l'occupant nazi, mais il y a eu aussi, D'accord. évidemment, il n'y avait plus de papier, les planches n'arrivaient plus, etc. Et disons que la rédaction n'a jamais non plus courbé les chines. Même quand il y a eu l'interruption, ben ils ont préparé la suite, préparé des albums, des choses qui pourraient
donner de la lecture et du courage à toutes les filles et tous les garçons qui lisaient ce livre. Et c'est impressionnant, d'autant que tu parlais tout à l'heure de la logistique avec la poste, etc. Moi, je me suis posé un peu la question, mais malheureusement, j'ai pas pu approfondir le sujet. Et je pense qu'il y a un vrai thème, une vraie émission à faire dessus pour savoir, pour approfondir justement comment se faisait. Les bandes dessinées pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si on peut réinviter Nota Bene une fois de plus, mais je trouve qu'il y a un vrai sujet, ne serait-ce que pour des questions de logistique. Et pour moi, en fait, Culture Bulle, au départ, on a beaucoup parlé avec Sébastien, on veut faire une émission où il y a beaucoup, beaucoup de valeur ajoutée. Et justement, ce sujet, je le trouve fort intéressant et il peut amener du bagage et en même temps valoriser toutes ces maisons d'édition. Je ne sais pas si vous étiez la seule qui ont traversé ces temps et surtout qui ont accompagné les plus jeunes et les plus anciens à travers l'horreur qu'est la guerre. Ah, c'est dur. Ça, je ne veux pas dire que ça mine parce que c'est un truc quand même positif. Donc, mais on va pouvoir continuer de voir ce qui s'est passé dans les années 40. Il y a une nouvelle génération d'auteurs qui a émergé, dont Will qui reprend Tiff et Tondu ou Franquin qui reprend les commandes de la série Spirou et Fantasio. Mais il y a surtout et aussi eu Maurice qui a créé Lucky Luke. Bien ça ? Ouais. Oui, c'est ça. N'hésitez en pas fait, si je dis des bêtises. Non, ça, tout va bien. Jusqu'ici, je t'ai mis un tacle au début, mais j'essaye d'éviter pour la suite. Hein, comme on s'est arrangé, j'ai bien reçu ton virement. T'es chez toi. J'ai bien reçu ton virement en Bitcoin, je te remercie. Cool. Blague à part. En fait, si tu veux, ouais, toute cette génération arrive juste après la guerre, mais j'ai oublié de préciser que donc, pendant le début des années 40, il y a un grand nom qui s'impose chez Dupuis, et on l'a un peu oublié parce que il n'a pas laissé une œuvre. Complète, quoi. Donc, il s'appelait Jigé, Joseph Gilin, et c'était vraiment le père fondateur de tout ce qu'on avait chez Dupuis, parce que c'était quelqu'un qui était capable de dessiner de la bande dessinée humoristique et de la bande dessinée réaliste. Et à un moment, il dessinait presque tout dans le journal, parce qu'il y avait des interruptions, il était capable à la fois de dessiner un truc ultra léché réaliste et du 100% burlesque. Donc forcément, c'était presque les racines de tout ce qu'on allait faire les 90 années d'après, quoi. Et donc, tous les gens qui sont arrivés après, c'était pour la plupart des disciples de Jigé. Quand Will reprend Tiff et Tondu, c'est Fernand Diner qui a créé les personnages, et c'était un des disciples de Jigé. Franquin, pareil, il prend la suite de Jigé sur Spirou et Fantasio en cours de route, parce que Jigé n'a plus le temps, et Jigé est un homme extrêmement généreux, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est apprendre, quoi, faire un peu comme on fait dans l'artisanat, le compagnonnage. Vous voyez, ce truc où on fait des années avec un maître artisan et puis après, on reprend son activité. C'est exactement la bonne comparaison. Et c'est un type d'une générosité incroyable. Plus tard, c'est lui aussi qui sera le maître de Giraud, le dessinateur de Blueberry. Il dessinera des Blueberry aussi, Jigé. Donc, c'est franchement un grand, grand auteur, un peu méconnu aujourd'hui parce que forcément, il a tellement donné ses séries et tout ça qu'on ne peut pas dire, voilà, les œuvres complètes de Jigé, c'est connu par tout le monde. Mais je crois que sans lui, on n'aurait pas un catalogue de Dupuis aussi riche. Ouais. Il a vraiment assuré. D'accord. Ouais. Voilà. J'ai fait une petite digression. Comme Nota Bene n'est pas là, j'essaie de faire l'historien. Jigé... Jigé Sensei, big up à toi, on ne t'oubliera plus jamais, on va te citer, on va te name dropper de ouf dans Culture Bulle, c'est parti. Moi je suis un créateur de FC en pagaille, j'ai créé le FC Manchuria, je vais créer le FC Jigé Sensei, dès maintenant je vais militer sur Twitter, etc, etc. En tout cas, on parle depuis tout à l'heure d'héros, de héros, excusez-moi, qui sont plus ou moins intemporel, que ce soit Spirou ou Lucky Luke. Je dis avec l'accent français parce que tout à l'heure, j'ai lâché un Lucky Luke par inadvertance et j'ai vu que dans le chat, on m'a repris direct. Donc, Luke, on va maintenant se pencher sur... on va essayer de trouver la recette du héros intemporel. J'ai envie de vous demander à vous, en tant qu'éditeur ou proche de l'édition, si vous pensez connaître cette recette. Comment est-ce qu'on crée un héros qui traverse les guerres, les époques, etc. Qui s'y colle. C'est évident. Allez, vas-y, Alix, on t'écoute.
Bah oui, bien sûr, honneur aux femmes, hein, toujours. Toujours. Surtout quand c'est Alors, bien, galère. Je rigole. tiens à dire que si j'avais cette recette, je serais autrice et je ne serais pas de ce côté-là de la table. D'accord. Non, mais moi, en tout cas, ce qui me fait vibrer dans les héros, quelle que soit son année de création, c'est l'identification. Je pense qu'une des caractéristiques principales d'un héros qui va perdurer dans le temps, c'est le fait que ses lecteurs puissent s'identifier. Et ça, il y a des choses qui sont assez universelles, en fait. Le courage, la valeur, la tolérance, la générosité, c'est des choses qui sont pas du tout liées à une période dans le temps, mais plutôt des valeurs qui font vibrer enfin, toujours, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a des héros que tu cites, enfin, et qu'on va citer là dans les décennies qui arrivent, qui sont aujourd'hui encore des fers de lance de l'édition. Voilà pour moi. Alors, on a Geek with a Beard qui dit dans le forum, le vrai héros est un monsieur, madame, tout le monde. Ouais, ça rejoint ce que tu disais sur l'identification. Qu'est-ce que tu en penses, Sébastien? Bah, je pense que oui, tout ceci est assez vrai. Geek with a Beard, il dit aussi qu'un personnage ne naît pas héros, mais le devient aux yeux des lecteurs. C'est aussi assez juste. Et en vrai, oui, bah, tout comme Alix, hein, clairement, si j'avais la recette du héros parfait, bah, je serais auteur, hein, je serais au market. Voilà. Mais D'accord. par contre, c'est vrai que d'une part, il y a une part, en fait, il y a les mots ayant plusieurs sens, hein, la polysémie étant quelque chose de réel en France. Quand Alix parlait d'identification des héros, elle n'avait pas tort, même sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire que non seulement faut que les lecteurs s'identifient au héros, mais il y a aussi un truc où le héros, tu l'identifies clairement. C'est-à-dire que aussi les personnages les plus populaires, souvent, ils ont un design qui est très réussi. Il y a quelque chose en plus qu'on n'avait pas vu avant et qui fait qu'on va plus le retenir. Voilà. En tout cas, les héros intemporels, ils ont ce truc-là. C'est-à-dire que, tu vois, Goku, c'est pas pour rien. Si c'est Goku, c'est le premier héros avec des cheveux en pique. Tous ceux qui sont venus après, c'était des héros avec une coupe à la Goku, par exemple. Ouais. Mais ce qui est Voilà. assez chouette aussi quand le héros commence à avoir quelques années, parce que ça me fait direct penser à Spirou avec son costume de groom, c'est que parfois il est capable de l'enlever, mais il reste héros. Parce que Exactement, on le je vais reconnaît quand pas, même. voilà, je vais pas citer les tomes de Spirou parce que j'ai peur de me faire lyncher si je me plante, mais on le voit quand même Le souvent regard garder noyé au son grain code en plus. couleur, mais mettre un col roulé blanc, un pantalon un peu rouge, et puis go, vive tes aventures et t'as pas ton costume de groom, quoi. Alors, on va demander l'avis donc de l'expert maintenant, de monsieur rédacteur en chef qui est censé avoir le nez. Avant ça, j'ai quand même une petite question pour Sébastien Alix. Vous avez jamais pensé à écrire quelque chose? Ça vous a jamais traversé l'esprit? Ou vous avez des manuscrits cachés dans vos immenses bibliothèques? Bah, je pense que quand on travaille dans l'édition, on a souvent de près ou de loin titillé un peu cette idée-là. Moi, quand j'étais plus jeune, je dessinais pas mal. Enfin, non, je dessinais en quantité pas mal, pas en qualité. Et du coup, j'avais toujours fait miroiter. La possibilité d'écrire ma BD, j'en ai écrit, mais des super nuls d'enfants ou Bah voilà. d'ados. Mais un jour, voilà, dans les trucs à faire avant de mourir, proposer un scénar. Depuis, je suis revenue, hein, ça sera pas du dessin, ça sera du scénario. D'accord. Ok, et toi, Sébastien? Ben en vrai, non. Pour le coup, j'ai jamais écrit de... Enfin, peut-être quand j'étais jeune, mais je m'en souviens pas trop. Mais j'ai jamais été porté sur l'écriture parce que je me suis... En fait, pendant très longtemps, je me suis senti incapable de le faire. En fait, j'avais un truc là-dessus où je me disais, moi, je suis un scientifique, je suis pas un lettré, en fait. D'accord. Et depuis, en fait, depuis que je suis revenu de cette idée-là, je suis plus dans l'idée, en vrai, ce qui pourrait m'amuser, ce serait plutôt de coacher, à la limite, un auteur. Tu vas te faire, en fait, le rôle de Tantosha au Ah oui. Japon, tu vois. D'accord. Vraiment être avec l'auteur pour l'aider à en sortir le meilleur de ses idées. Voilà. Sinon, C'est après, quoi moi, les qui... j'écris, c'est arrivé. Vas-y, vas-y. Ah, je t'écoute, t'écoute, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, je disais que sinon j'ai pu écrire mes propres histoires, mais plutôt pour des séances de JDR. Voilà. D'accord, ok. Ah. Et l'équivalent de Tanto en France, c'est pas éditeur, oui, plus ou moins. Script Un petit Docteur? peu, non, parce que c'est, enfin,
Déjà, Script Doctor, du coup, c'est pas trop un équivalent français, c'est plus américain. Mais oui. Surtout, le Tanto, il est vraiment, il est quasiment co-auteur, en fait. Et a priori, je crois pas qu'il y ait de maison d'édition en France où l'éditeur soit autant impliqué. Je veux dire, bien sûr qu'il peut faire des retours, mais il va pas dans le détail. Alors que vraiment, le Tantosha, il peut vraiment revenir 12 fois sur le storyboard en disant non, mais là, fais intervenir ton perso 3 pages plus tard, ça, garde ça pour plus tard. Enfin, vraiment, il est vraiment impliqué dans l'histoire. Il peut même créer des méchants. Enfin, tu vois, il a une vraie influence sur l'histoire très marquée. Morgane, avec un gros sourire, il lui donne des idées. Et à mon avis, s'il y a des auteurs dans le chat, ils doivent avoir une petite goutte de sueur qui perle. Il dit oulala. Alors, Morgane. Je sais pas. En tout cas, la manière dont on édite de la bande dessinée n'est pas vraiment la même que le rapport des éditeurs au Japon. En tout cas, pour répondre à ta première question, je crois que ce qui fait un bon héros, c'est qu'on y croit en le lisant simplement, qu'on a l'impression qu'on pourrait le croiser au coin de la rue. Moi aussi, un bon héros, il doit avoir du style. C'est quand même ça qui fait que ça fonctionne, et que tu as envie de le redessiner quand tu es enfant. Que quelque part il puisse être hyper synthétique. Vous rappelez ce jeu qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux il y a quelques années où on voyait des briques Lego superposées de couleurs et à partir des briques Lego on pouvait reconnaître des grands personnages pop culture. Héros de bande dessinée, je pense qu'il fonctionne avec les Simpsons, avec Lucky Luke, avec les Dalton. D'ailleurs, on avait fait. Grand héros populaire, il fonctionne en Lego. On avait fait ce concept graphique pour nos sacs cadeaux à Angoulême. De mettre tous nos héros, Spirou, ses cotines, Bip, etc., en briques Lego. Ouais, en pixels. C'était sympa. Personne n'a la recette magique parce que tu as parfois des supers histoires et nous, on peut être persuadé à la rédaction ou des éditeurs de la maison que là, on a la meilleure série de tous les temps. Et puis parfois, la mayonnaise prend pas et il n'y a pas d'explication. Et quelque part, heureusement, parce qu'il y a aussi une part de magie dans le succès de quelqu'un qui raconte des histoires. Rappelez-vous, Harry Potter, personne ne voulait de l'histoire de J.K. Rowling, et aujourd'hui, c'est le livre le plus lu de tous les temps. Ouais. Pour son plus grand bonheur. On peut tous se tromper. On dit personne n'en voulait pour son plus grand bonheur, je pense. Ouais, mais tu vois, tu dis, parfois, quand on loupe peut-être un bon projet, on se dit, oui, mais bon, personne n'avait cru à J.K. Rowling au début, donc c'est notre filet de sécurité quand on passe à côté d'un talent, quoi. On essaye. C'est ça, c'est le mec chez... Chez Saban qui a refusé Pokémon, quoi. C'est pareil. Ah, incroyable. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'un bon héros, il doit justement, le lecteur en le lisant, il doit pouvoir s'évader un petit peu, soit s'évader, soit se projeter à travers les aventures qu'il vit, en fait. Ouais, moi je crois surtout qu'il faut profiter du genre BD. Tu vois, si tu fais un truc qui ressemble à de l'animé ou à un film live et tout ça, ça peut être bien, mais c'est pas non plus hyper intéressant. Quitte à utiliser la BD, autant faire un truc qui fonctionne que en BD. Enfin, je crois, ça sera plus fort, quoi. Utiliser à fond ton. Carrément, tu payes pas aussi cher tes effets spéciaux dans une case que dans un écran. Bien sûr. On me dit dans le chat Tom Sin qui dit que les producteurs ont refusé Star Wars. Ça, je suis pas forcément au courant. Vous êtes au courant? Non, il veut dire effectivement, pareil, le mec qui a refusé le projet Star Wars au début, il a bien dû regretter dans la foulée, tu vois. Ouais, bah, je pense. Ah là, ça c'était bête. D'accord. Ah la boulette. Il a réussi à monter financièrement le projet parce qu'il a dit, il a demandé moins sur son cachet de réalisateur, mais il a demandé en échange les jouets dérivés. Il a pris tout le merch, mais il a pris zéro. Je crois qu'il a pris quasi zéro en tant que réel. Ouais. D'accord. Est-ce qu'en tant que rédacteur en chef, Morgane, tu es aussi éditeur du coup? J'édite quelques livres par an parce que le journal me prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Mais c'est un ou deux livres par an. Mais par contre, je suis en dialogue avec à peu près tous les auteurs qui passent par le journal, en plus de leur éditeur, en complément de leur éditeur ou comme éditeur. Mais c'est une toute petite part de mon temps parce que faire un hebdo, c'est chronophage. Tu m'étonnes. On a pas une petite pression de passer justement à côté de gros auteurs qui sont en train de débarquer, plus ou moins?
Est-ce qu'on ne cherche pas Je tous préfère la petite le prochain Kylian Mbappé de la bande dessinée? Tu veux dire le prochain Eden Hazard? Oui. Pas moi, ouais, c'était C'est un autre facile, débat. quoi. On a tenu 40 minutes avant de parler de foot, donc c'est très bien. Écoute, ben oui, on essaye de donner sa chance à des nouveaux talents dans chaque numéro, et on essaye de repérer qui a ce don de raconteur d'histoire exceptionnel. Mais il faut pas se mettre la pression, je pense qu'il faut y aller avec l'expérience qu'on emmagasine et avoir les oreilles grandes ouvertes et les yeux grandes ouvertes tout le temps pour essayer de sentir l'époque et les talents de l'époque. Après, si j'avais la recette magique, oui, comme Alix et comme Sébastien, ben, je sais pas, je serais auteur aussi. Ouais, c'est ça. On serait tous auteurs. Il y aurait trop d'arbres. Ouais, c'est ça. Et Non, tu nous non, as ça, pas par contre, je dit crois si pas. tu avais déjà écrit quelque chose, toi, Morgane? En BD, quand j'étais gamin, sans doute, j'ai fait des trucs. J'ai fait des dessins et tout ça. Mais depuis que je suis adulte, je pense que j'ai lu beaucoup trop de BD pour un jour faire quelque chose de à peine intéressant. Donc, ça, je me suis toujours promis, je ferai jamais de BD. J'en ai beaucoup trop lu. Ce serait forcément mauvais. Mais peut-être Ouais, c'est un j'écrirai peu un le jour un roman problème, hein. Quand policier. tu commences à avoir trop d'expérience, eh bien, tu dis, Ouais. ah, mais en fait, il me reste plus de place. Tout est là, tout n'a Jamais plus de de BD, mais cohérence. est-ce que jamais de BD, mais est-ce que ça peut être sur un autre support ou pas du tout? Ou c'est niet, niet, niet? En fait, moi, j'adore, je suis vraiment hyper fan du roman policier, du roman noir et tout. C'est le style le D'accord. plus incroyable de la littérature populaire. Et un jour, D'accord. avant de mourir, j'ai envie d'essayer. Mais quand j'aurai fini Spirou, parce que là, je ne sais pas où je caserai ça dans mon emploi du temps. D'accord. Ouais. Bah, on peut fermer cette petite parenthèse sur les héros intemporels et continuer notre petit voyage dans le temps. On va se diriger maintenant vers les années 50, qui sont donc une période post-Seconde Guerre mondiale. Le monde est en pleine recomposition, les gens ont besoin de culture, comme nous le disions tout à l'heure. Ce sont des années fastes pour Dupuis avec la création de nouveaux héros, comme Gilles Jourdan et bien sûr Gaston Lagaffe par Franquin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Gaston? Comment il est arrivé, si vous avez eu des anecdotes sur sa création ou autre? Ouais, en fait, c'est vraiment les années 50, comme tu le disais, c'est une période faste, c'est vraiment le premier âge d'or du journal Spirou, parce qu'il va y avoir pendant 10-15 ans une effervescence dans le journal incroyable, et la création de D'accord. plein, plein de héros, dont Gaston. En fait, comment c'est né Gaston? Je crois que c'était comme une blague, parce que donc Yvan Delporte, qui à ce moment-là est devenu le rédacteur en chef de Spirou, est très ami avec bah, toute cette génération dont on a parlé, dont André Franquin. Et Franquin, il a envie de s'amuser en parallèle à ce qu'il fait par ailleurs avec Spirou et Fantasio. Et donc, il dit, en discutant avec Delporte, ils avancent un peu tous les deux, et il dit, ce serait quand même rigolo d'inventer un héros qui n'a rien à faire. Ce serait tout l'inverse de ce qu'on a essayé de décrire avec Alix et Sébastien, en fait. Un mec qui est là, on ne sait pas trop pourquoi, il n'a pas vraiment de fonction, et de fil en aiguille, bah, il va devenir un des personnages préférés des lecteurs. Et voilà, c'est une belle histoire, en fait. Au Le départ, il n'avait rien pour concept est lui. incroyable. Bah, parce qu'au départ, il n'avait rien pour lui. Et à la fin, tout le monde voulait être lui. Donc Exactement. c'est un beau parcours de héros, finalement. Ouais. Alors, il y a Gaston, bien sûr, et il y a d'autres héros qui font également leur apparition et qui popularisent le mini-récit. Ce sont les Schtroumpfs de Peyo. Je dis Ouais, toujours pas de ça c'est bêtises. bien. Non, 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 c'est parfait. Tu es parfait ce soir. À part au début, il y avait une petite Oh. erreur, mais bon, on va pas y Oh revenir. j'arrête de te tendre la perche, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Ben donc Peyo, ben, ça fait partie de toute cette jeune génération. Il est un peu plus jeune que Franquin, que Will, Maurice, qui ont commencé juste après la guerre. Mais comme eux, il rêvait de faire du dessin animé. Et donc il a vraiment été à cette école du dessin animé. Et donc il a appris l'art de la synthèse et que ses personnages soient extrêmement lisibles, potentiellement faciles à animer. Et ça servira bien plus tard quand il y aura la série. Et donc, si tu veux, Peyo, il commence dans le journal avec d'abord une aventure médiévale, fantastique, humoristique, qui s'appelait Johan et Pierre-Louis. Ben, on voit dans l'image là. Et au départ, les Schtroumpfs, ça va être des personnages secondaires dans Johan et Pierre-Louis. Mais par contre, leur format est nickel pour un supplément qui est inventé dans le journal Spirou à ce moment-là, qui est le mini-récit. Donc, c'est des mini-bandes dessinées à fabriquer toi-même dans le journal. Donc, tu as des petites pages, il faut être un peu habile de ses mains, et tu les plies, hop, tu les relis et tout ça, et tu as des mini-aventures. Donc le tout premier mini-récit, c'est les Schtroumpfs noirs, qui va devenir absolument culte, quoi, et qui va lancer petit à petit la Schtroumpfmania.
D'accord. Moi, les Schtroumpfs, j'ai beaucoup de souvenirs justement du dessin animé lorsque j'étais gamin. Ça me donne envie de vous poser une question à tous les trois. Quel est votre premier contact avec. Est-ce que vous avez des souvenirs de votre première rencontre avec un des héros du Puy, que ce soit Lucky Luke, l'Argo Winch dont on parlera tout à l'heure, ou les Schtroumpfs? C'est dur, quoi. Ouais. Ah, c'est Moi, je me dur. souviens de mon premier Je peux commencer si vous contact. voulez. Vas-y, Alix. Vas-y. Non, mais moi, c'est pas du puits, du coup. Donc, ça répond pas au D'accord. brief, mais c'est quand même assez Réponds, il n'y a marrant. pas de souci. Il n'y a pas de souci, Culture Bulle, c'est une grande maison, on l'a dit maintes et maintes fois, on peut parler de tout ici. Écoute. En fait, moi, j'ai appris à lire avec la BD Torgal. Et D'accord. Oh, ah donc, oui. j'aimais beaucoup, beaucoup cet univers. Genre, ouais, j'étais fan, je suis vraiment tombée dedans, quoi. Et donc j'ai une anecdote de la cour de récré, j'étais en CP, un truc comme ça, j'étais vraiment petite, ouais max CE, hein, mais je crois que c'était CP, elle. Encore beaucoup de gens qui lisaient pas forcément beaucoup, et donc on jouait avec tout le monde à s'attaquer, etc. Et moi je me suis retrouvée à gueuler par le marteau de Thor! Et en fait, il y a eu un énorme blanc. Je me souviens de tous les gens de mon âge donc il y avait 6 ans là, qui m'ont regardé en mode, mais elle est chelou celle-là. Et moi, je suis rentrée à la maison et j'ai raconté ça à mes parents. Je dis, mais je comprends pas, ils ont pas réagi, ils lisent pas Torgal. Donc mes parents m'ont vite expliqué que bon, c'était pas la lecture habituelle. Donc voilà, Je la pense qu'on va, première honte dont je me souviens. je pense qu'on va faire une émission sur les classifications d'âge. Je pense que ça peut être utile dans les différents médiums qu'on aborde tout le temps. Sébastien, est-ce qu'un souvenir t'est revenu ou je me lance? Non, mais alors je sais pas si c'est mon premier contact, mais je pense qu'un de mes premiers souvenirs de BD ou dessin animé, c'est les Schtroumpfs. Du coup, plutôt en dessin animé, mais après j'ai lu les albums aussi. Mais parce que les Schtroumpfs, d'abord, j'ai été très marqué par l'épisode des Schtroumpfs noirs, justement, que je trouvais carrément flippant, en fait, entre guillemets. Et puis parce que la deuxième sortie cinéma dont je me souviens, mais enfin. La toute première, c'était Blanche-Neige, mais je me souviens surtout du cinéma. Genre, j'étais impressionné de voir le bâtiment avec les lumières et tout. Mais la première séance de ciné dont je me souviens vraiment, c'est d'être allé voir Le Bébé Schtroumpf au cinéma, Pathé, Place de Clichy. Voilà. Énorme. Alors, Et c'était extraordinaire. on parlait de héros intemporels tout à l'heure, mais les Schtroumpfs aussi, c'est toujours pleine bourre. Voilà. On a des adaptations au ciné. Je pense qu'ils en sont Schtroumpfs 2, je crois, de mémoire. À mon avis, un 3 ne devrait pas tarder. Il y a le 3 qui est déjà sorti? Ok, donc on en est au Schtroumpfs 3 et je suis vachement en retard. Mais à mon avis, le 3 et même donc le 4 ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. Pour moi, j'ai des bribes de souvenirs de Lucky Luke. Je me souviens de l'album Daisy Town que je prenais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, au moins une fois par mois à la bibliothèque de mon quartier, que je lisais en long et en travers. Et j'aimais vraiment, vraiment Lucky Luke et les Dalton. Moi, ça me pliait de rire. Et Lucky Luke, qui est donc le héros enfin l'être humain qui a arrêté le tabac le plus rapidement possible, le plus rapidement au monde, je crois. Est-ce qu'on a Il a des arrêté le anecdotes tabac sur plus vite que son ça? Plus vite que son ombre, exactement. Est-ce qu'on a des anecdotes sur ça, sur la pression, justement, sur des décisions éditoriales où justement Lucky Luke arrête de fumer? Alors, je me souviens plus quand ça arrive, mais à un moment, les auteurs se sont dit, bah, quand même, ce personnage est hyper populaire auprès des enfants. Et ce serait peut-être bien qu'on leur donne pas l'exemple de fumer. Je pense qu'il y a une loi qui est passée en France, mais sincèrement, j'ai pas révisé mon Lucky Luke ce soir, et donc plutôt que de dire une bêtise, je ne vais rien dire. Peut-être qu'un copain dans le chat D'accord. pourra nous préciser la date, mais c'était logique en fait. C'était quand même un modèle pour les gamines et les gamins qui lisaient, et donc c'était mieux qu'il ait un brin de paille que plutôt qu'une clope, quoi. D'accord. À l'époque, on Dans le savait chat, pas. on est geek. Tu m'étonnes. Avec la paille, en plus, il y a plus de style, je trouve. Oui, Ça voilà, rajoute un c'est peu plus stylé. T'as un petit raison. style de je maîtrise mon art, Exactement. etc. Encore un sensei. Dans Exactement. le chat, on a Geek with a Bird qui dit mon premier souvenir BD, c'était Les petits hommes. Ça parle de Daisy Town, on a Schtroumpf violet en Amérique. Ça, il me semble que c'est un film, non? Space Hero qui dit je trouve que l'actuelle adaptation de Gargamel en politique est pas ouf. Bravo, C'est bravo. quoi? J'ai pensé tout à l'heure, mais en tant que professionnel, je me suis dit bon, je la laisse filer de mon cerveau celle-là.
Mais apparemment, Space Kairou est plus vif que moi. N'hésitez pas justement dans le chat à nous dire quel est votre premier souvenir de rencontre avec un des personnages du puits. On lit quasiment tout, on en parlera tout à l'heure. Restez également bien jusqu'à la fin de l'émission, il y aura un concours pour les 100 ans et vous verrez qu'on n'a pas fait les choses à moitié. Je pense au concours. Vous allez voir à quel point il y a des gens qui commencent à être fichés ici. Je pense au concours parce que j'ai vu Sandrine ADS qui dit bonsoir. Donc je sais que Sandrine est très réactive dans les concours. On te salue Sandrine et n'hésite pas, je taquine un peu, mais n'hésite pas à tenter ta chance tout à l'heure. On peut passer à une autre décennie, on quitte les années 50 et on se dirige vers les années 60. Les années 60 qui sont, on va le dire clairement, c'est l'âge d'or pour Dupuis, puisqu'on en est environ à 200 000 exemplaires par semaine, ce qui est un chiffre monstre aujourd'hui. Je ne sais pas combien d'exemplaires sont écoulés aujourd'hui, mais de 200 000 exemplaires par semaine, c'est un truc énorme. Alors, il y a le lancement d'une nouvelle collection qui est la collection des gags de poche, car le marché est extrêmement populaire dans les années 60. Autre frais marquant, il y a l'apparition de la première héroïne qui s'appelle Sophie. Je sais que c'est important. Est-ce qu'il y a eu d'autres héroïnes dans d'autres maisons d'édition qui sont nées avant Sophie ? J'ai pas de culture historique de la BD énorme, mais je me suis posé la question tout à l'heure, donc je vous la pose à vous, messieurs les éditeurs, messieurs les scientifiques de la bande dessinée. Alors là, tu me poses une colle, hein, parce que je connaissais que dans l'histoire du journal, effectivement, avant de répondre sur les autres éditions, je peux te dire pour le journal déjà. D'accord, let's go. Si tu veux, quand Sophie. En tout cas, dans la BD francophone en Belgique, c'est vraiment marquant parce qu'au départ, c'est un personnage un peu numéro 2 quoi, dans l'histoire. Le héros de l'histoire, c'est Starter, qui avait sa rubrique automobile et tout ça dans le journal. Et puis finalement, c'est elle qui va naturellement prendre le devant de la scène. Et c'est le début d'une longue histoire d'héroïne dans le catalogue Dupuis. Et je pense que ce n'est pas un hasard si ça arrive dans cette décennie-là, où c'est une décennie de libération des gens aussi. Bien sûr. Tu vois, où on progresse d'un point de vue société, quoi. Je pense que c'était une reconnaissance du statut des femmes un peu plus raisonnable qu'avant, où c'était quand même très très patriarcal la bande dessinée. Et là, c'est la première phase de changement. Et puis, c'est des super albums qu'on a un peu oubliés maintenant, mais c'était dessiné par JDM, qui était l'assistant de Franquin. Et donc, il avait un super chouette dessin et des aventures rebondissantes que moi, j'aimais beaucoup quand j'étais petit. D'accord. Puisque t'as oublié de me demander quel était mon héros préféré quand j'étais petit. Oh, excuse-moi Morgane, je peux te demander maintenant, mais ça c'est pour les petits tacles. Oui. Très très bien. Voilà, j'ai bien senti. Spirou et Fantasio, bien sûr. Et un peu Tintin, parce que comme je suis belge, t'es obligé d'aimer les deux. Tu peux pas choisir. Est-ce que tu te souviens de comment tu lisais t'as des bribes de souvenirs, un peu de nostalgie qui vient. Est-ce que tu les lisais à l'école? Est-ce que tu allais à la bibliothèque? Est-ce que tu les achetais, etc. Tu as des petits souvenirs? J'étais abonné au journal, en fait, quand j'étais petit. D'accord. J'ai commencé à être abonné à l'âge de 7 ans. Et d'accord. J'ai jamais arrêté depuis. Simplement. Et maintenant, j'ai découvert dans le journal. Voilà. J'ai bouclé une belle boucle avec ça. Non, mais vraiment, moi, je suis vraiment un pur enfant du journal Spirou, et donc j'ai découvert tous ces héros, toutes ces héroïnes et tous ces univers, tous ces dessinateurs que j'adore dans les pages du journal. Et ce qui est super dans Spirou depuis les années 70, c'est que le journal te raconte aussi l'histoire du journal. C'est-à-dire que tu vas connaître les héros d'aujourd'hui, mais on te raconte aussi ceux qui sont venus avant. Et donc, tu as vraiment tout un arbre généalogique du journal qui se forme devant toi, lecteur. Et ça, je trouve ça super, quoi, pour... Les lecteurs d'aujourd'hui et les lecteurs de demain aussi. C'est ce qu'on essaie de continuer à faire dans cette émission-là. Voilà. Bien sûr. Alors, il y a un autre fait marquant, dans les années 60. On a une grosse anecdote à propos de notre ami Gaston Lagaffe qui a... Je te laisse la raconter, Morgane, ou je me lance un peu Okay. Ou tu reprends la suite. Non, vas-y, je vais la raconter. Je te laisse la raconter, je t'en prie. Et toi, ouais. Moi, et je vais pas refaire mon pitch sur les pitchs. Les gens ici dans Culture Bulle connaissent mon niveau de pitch et je pense que dans le chat, ils souhaitent tous que tu la racontes. Ouais. Ok. Donc, ça part d'une couverture 100% gag. C'est-à-dire qu'on sait que Gaston, c'est le roi des gaffeurs.
Et c'était une couverture au milieu des années 60 où on voyait un chauffe-eau de salle de bain, qui avait explosé pour arriver dans l'espace, quoi. Donc c'était la Voie lactée et un chauffe-eau au milieu. Donc, super gag, rien à redire, sauf que les éditions du Puy reçoivent un courrier de ga Électricité et Gaz de France en disant « Attendez, non, c'est vraiment pas possible, ça explose pas pour aller dans l'espace, c'est pas possible. » Et donc, ils obtiennent des publi reportages en compensation, parce que les éditions du Puy, ils ont un peu peur. Toute l'équipe se dit « Oui, mais là, peut-être on va avoir des ennuis, etc. » Et donc, ils passent ces publi reportages, ce qui est quand même un peu absurde, on est bien d'accord. Et donc, Bien Franquin, sûr. L'auteur de Gaston, et Yvan Delporte, le rédacteur en chef, se disent: mais on ne peut pas laisser passer un truc aussi absurde, donc nous, on va faire un truc encore plus absurde. Et donc, en réponse à ces publi-reportages, ils ont eux-mêmes fait des faux publi-reportages sur la société Ducran-Lapoigne, qui est une société imaginaire qu'on voit dans Gaston, qui fabrique Ouais. des ponts. Et donc, ils ont fait des publi-reportages sur les ponts imaginaires de Ducran-Lapoigne. Voilà, donc c'est un peu l'esprit. On parlait au tout début qu'il y a toujours un esprit un peu impertinent, frondeur et tout ça. Voilà un exemple typique de genre de. Il y a toujours eu aussi une tradition du canular dans Spirou. Et là, c'était un beau. Moi, je pensais que c'était, j'ai peut-être mal lu ou je me suis mal renseigné, mais je pensais que c'était allé quasiment jusqu'en, tu sais, en justice, et que la justice a exigé justement des Ah une. non, 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 quand même pas. Non, non, c'était vraiment un accord à l'amiable pour dire, bon, ouais, c'est vrai, notre dessin était un peu dangereux, donc on va vous donner un peu de pub. Et finalement, ça fait une super anecdote rigolote pendant toutes ces périodes-là, quoi. En tant qu'éditeur, tu as des souvenirs de petits litiges comme ça qui peuvent exister encore aujourd'hui ou pas du tout? Moi, j'ai, enfin, ça fait bientôt 3 ans que je suis au journal et j'ai pas eu à vivre des choses comme ça. Par contre, ce que j'ai eu à mettre en œuvre avec l'équipe de la rédaction, ce sont des canulars. On en a fait quelques-uns depuis que je suis là, et notamment le 1er avril de l'année 2020. Ça tombait un mercredi, et mercredi, c'est le jour où Spirou sort. Et donc, quand le 1er avril tombe un mercredi, on en profite pour faire une blague. Et donc, cette année-là, on a fait croire que le journal avait été racheté par Disney. Parce qu'après avoir acheté Star Wars, après avoir acheté tout ça, et donc on avait fait un énorme canular avec une couverture dessinée à la Disney. Dedans, on annonçait plein de trucs. Le rachat, il y avait une fausse photo de notre directeur général avec un faux investisseur américain qui était en fait notre directeur commercial déguisé en américain. Et on expliquait, voilà, ben, il était temps qu'on entre dans le giron, etc. Et donc on avait fait un énorme canular. Et la directrice financière du groupe éditorial auquel on appartient y a cru. À tel point que le lendemain de la publication, elle a appelé notre DG en disant: mais dis, ce changement d'actionnaire, quand même, t'aurais pu nous prévenir, etc. Donc, ça a été immense, quoi. C'était vraiment immense. Donc, le canular a super bien marché. Et ça, il y a aussi le parc d'attractions Spirou en Provence. Et il paraît qu'il y a tout un groupe de fans du parc qui sont sur un forum. Ils continuent à en parler. Ils sont persuadés qu'on leur cache la vérité et qu'on a vraiment été racheté par Disney il y a bientôt 2 ans. Donc, je ne vais pas démentir. Génial. Voilà. Ça ressemble vachement au monde d'aujourd'hui, n'empêche, une blague qui se transforme en grosse théorie complotiste, Du complot, etc. ouais. C'est ouf. Ça, c'est drôle, Et les Américains sont assez, j'allais dire, morphales, mais ont un appétit féroce. Ils ne vous ont jamais approché de la maison d'édition, du coup? Et ben justement, il faut savoir Si, que si, mais Disney a cru justement. aussi auquel ils sont ramenés. On dit bonjour, alors ben voilà, on prend les clés puisqu'on vous a racheté. Désolé. Et on va faire des énormes films avec plein de super-héros, je trouve. Et du coup, ils vous ont approché ou pas du tout? Non. Ça n'a jamais été dans l'histoire que les Américains s'intéressent. Parce que quand je vois le chiffre de 200 000 exemplaires par semaine, c'est quand même, ça attire pas mal de monde, Ça, je c'est dans pense. les années 60. On est Oui, bien malheureusement sûr. plus aussi haut de nos jours. Il faut compter, on est Oui, bien entre sûr. d'une semaine à l'autre, entre les abonnés, les ventes en kiosque, 50, 60 000, à une époque où la presse papier, c'est compliqué dans tous les domaines. Mais non, en fait, généralement, les sociétés américaines achètent les droits pour faire des films sur certains personnages. Mais acheter tout un bac D'accord. catalogue, enfin, je dis ça, peut-être ça arrivera un jour, mais à ma connaissance, il n'y a pas encore eu ce genre d'approche. D'accord. On clôture donc les années 70 et on passe au. Non, on les années 60 et on passe aux années 70. Alix, je t'ai vu, m'ont dit de lever la tête. T'as failli m'avoir. Les années 70, on résume un peu le contexte. Tu as le hard rock qui arrive avec le heavy metal, AC/DC, etc., Led Zeppelin, etc.
On a en Europe, par contre, on a aussi des bons musiciens, mais on a aussi la BD qui continue de grossir, les ventes continuent d'augmenter. Et on a l'arrivée d'autres héros comme Yoko Tsuno, Natasha et Archie Cash. Yoko Tsuno, je sais que tu entretiens un lien particulier avec Yoko Tsuno, Alix. Est-ce que tu veux te relancer dans un pitch qui sera forcément meilleur que le dernier? Et bim. Ah oui, alors là, c'est vrai qu'en repitching le tout début de la série. Bah, non, mais Yoko Tsuno, elle est géniale pour plein de raisons. Déjà parce que, bah, en tout cas pour moi, c'était une des premières héroïnes, c'est plus joli, de son époque. Hein, donc quand t'es petite fille et qu'il y a plein de BD de ces années-là dans la bibliothèque chez tes parents, ça fait quand même plaisir de la croiser, sachant que c'est pas une héroïne à moitié. Elle est vraiment au cœur de l'action, de A à Z, elle est vaillante, elle a besoin de personne pour résoudre toutes ses aventures, elle voyage dans le temps, enfin, c'est la folie. Et en fait, dès le postulat de départ, elle est avec deux amis et elle est informaticienne, si je dis pas de conneries. Tant que Morgane fronce pas trop les sourcils, c'est que c'est bon. et du coup, c'est quand même. Morgane soit là, hein, quand même. Ouais, c'est ça, c'est le thermomètre. Exactement. Et, okay. Et ouais, même ça, je pense qu'à l'époque, c'est pas un métier hyper, hyper couru par la gente féminine en 1970. Donc, dès le début, elle est top et en plus, elle est asiatique. Enfin, je veux dire, Roger Leloup, quand il a inventé Yoko Tsuno, il a pas eu froid aux yeux. Pour le coup, il y est allé franco et ça, c'est génial. Et à partir de là, enfin, encore aujourd'hui, elle vit des aventures de folie où elle croise énormément de beaucoup de femmes très fortes avec des personnalités très différentes, mais aussi des hommes, des gens de d'autres planètes. Donc, lisez Yoko Tsuno. Lisez Yoko Tsuno, d'autant plus qu'il y a le tome 30 qui arrive, qui va Exactement. Bientôt. Tu peux me rappeler la date, Alix, s'il te plaît? Aïe, 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 je sais plus. Ah voilà, ce soir, je pose des colles. C'est ce soir, en juin, je crois. C'est mi-mai. Mi-mai. Alors, mi-mai, on a la 30e aventure de Yoko Tsuno qui arrive. On parlait d'héroïne, j'allais dire héroïne féminine, mais ça se dit pas. On parlait d'héroïne de la maison du puits qui sont arrivées. On a aussi Natacha que je connaissais et que je ne connais pas du tout. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qui est cette Natacha? Alors, Natacha, c'est une hôtesse de l'air qui vit des aventures plutôt policières, en fait, parce qu'il y a... Donc, c'est François Walteri qui dessine Natacha à partir de ce moment-là. D'accord. Walteri, c'est un ancien du studio de Peyo, donc il a été à l'école d'un des tout meilleurs raconteurs de BD de l'histoire de Spirou, finalement. Donc, il a appris aux côtés d'un des plus grands, et il a envie de mettre en scène des aventures vraiment intenses à travers toute la planète, etc. Et c'est vrai que ça change vachement de ce qu'il y avait avant. C'est l'arrivée de toute une nouvelle génération de héros et d'héroïnes. Et il y en a certains qui sont notamment, certains épisodes de Natacha qui sont écrits par Tillieu, qui était un des grands auteurs de polar du journal Spirou. C'est lui notamment qui avait inventé Gilles Jourdan. Et Natacha, c'est vraiment formidable, quoi. C'est des albums de pure aventure, d'action, et c'est une fille qui n'a pas froid aux yeux. Et donc ça change un peu la manière dont on voit la bande dessinée, je crois. C'est vraiment, on s'en rend peut-être pas compte, parce que ça nous paraît être installé, mais quand cette héroïne-là apparaît, quand Yoko apparaît, c'est un moment de changement chez Dupuis, dans Spirou, et dans Bien la sûr. BD populaire franco-belge, je crois. Clairement. Oui, on ouvre aussi, on découvre, enfin, une ère de la BD d'action s'ouvre aussi avec l'apparition d'Archie Cash, pour le coup. Ouais, clairement, là, c'est... Enfin, si vous ne rappelez pas un peu la tête d'Archie Cash, il a vraiment la tête de Charles Bronson, et donc on est dans la BD de pure action. Voilà, ben voilà, là, il y a une image qui apparaît, justement, c'est pas mal. Et donc, c'est là, Charles Bronson. C'est tout à fait différent de style, mais avec c'est Malick qui invente ça, et puis aussi Jean-Marie Brouillère, qui est un scénariste important dans le Spirou des années 70, parce que c'est un gars qui va oser d'autres styles d'histoire et surtout qui va faire émerger toute une jeune génération qui ils ont tous à peu près le même âge. Donc il y aura Bernard Isler, il y aura Franck P, il y aura André Gertz, il y aura Christian Darras, Franck Le Gall aussi. Toute cette génération-là va amener, bizarrement, pas du tout une BD d'action, mais une BD plus poétique. Donc il y aura aussi des mouvements un peu de balancier, si tu veux. Tu auras
plein de nouveaux styles qui vont se créer. C'est aussi un moment où l'album devient aussi important et puis bientôt plus important que le journal de bande dessinée dans tout le monde de la bande dessinée. Parce que ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que à cette époque-là, effectivement, il y a le journal Spirou qui a toujours été le meilleur journal de BD, ça on est tous d'accord, hein, autour de cette table. Mais il y en avait plein d'autres à l'époque. Il y avait d'autres éditeurs de BD qui faisaient d'autres journaux. Et donc, ben, les journaux étaient très importants dans l'économie de la BD jusqu'au moment où les albums sont passés un peu devant, quoi, si tu veux. Et donc, c'est une époque de, un peu de changement. Il y a des nouveaux héros, des nouvelles héroïnes, mais aussi un changement de support avec la montée en puissance des albums. D'accord. On peut clôturer les années 70 et on peut passer à la meilleure décennie. Vous allez vite comprendre pourquoi. Ce sont les années 80. Charles Dupuis prend sa retraite après 47 ans de bons et loyaux services. Dupuis change de propriétaire et est vendu au Lambert d'Alembert Frères. Mais Dupuis continue son évolution avec la création des collections pour adultes Air Libre et Repérage. On va commencer par jeter un œil dans la collection Air Libre. Qu'est-ce qu'on a comme image? Ah, j'arrive pas à lire correctement. Est-ce que tu peux nous en parler, Morgane? Ouais, bien sûr. Donc, la Va collection assez Air vite. Libre, Parle-nous de la c'est Jean Van. collection en Ouais, général. ouais ben, la collection Air Libre, c'est Jean Van Hamme qui l'invente, finalement. Parce que le catalogue de Dupuis, c'était vraiment très, très lié au journal Spirou. Et donc, on avait toutes des auteurs et des autrices qui avaient animé toute leur carrière des séries avec des personnages récurrents pour toute la famille. Et en faisant Air Libre, c'était l'occasion de pouvoir faire des BD à destination des adultes. C'était quelque part faire un petit pas de côté pour faire des récits qui étaient interdits dans Spirou parce que trop compliqué ou un peu de violence, des choses comme ça qu'on pouvait pas montrer. Et donc là, c'est vraiment. Maintenant, on dirait que c'est du roman graphique. À l'époque, le mot n'était pas aussi courant que de nos jours, mais c'est vraiment ça. C'est l'idée de faire de la bande dessinée pour les adultes. Et cette collection a ouvert plein de nouvelles pistes pour Dupuis. Et il y a directement eu quelques super chefs-d'œuvre. Tu montrais La Guerre éternelle, qui est, si vous aimez la science-fiction, c'est une histoire absolument géniale qui préfigure presque Universal War One de Bajram 25 ans avant, quoi, ou 15 ans avant. C'était formidable. Les premiers albums de Cosé, Le Voyage en Italie, c'est aussi un absolu bijou. D'autant plus que c'est une région d'Italie que j'aime beaucoup parce que c'est de là que venait ma famille. Donc j'ai un attachement sentimental spécial à cet album-là. Et c'est vraiment le début de quelque chose de très différent dans le catalogue de Dupuis. Et en même temps arrive aussi la collection Repérage, et là c'est plutôt de la BD de genre, si tu veux. On va peut-être en parler après, D'accord. je suis peut-être à l'avance Oui, on peut en parler tout de suite, bien sûr. On peut en là. parler tout de D'accord. suite. Et bah donc voilà, Repérage, c'est l'idée de pouvoir faire du policier, du roman noir, de l'espionnage, vraiment du récit de genre qui n'était pas vraiment possible dans Spirou. C'est comme ça que vont apparaître des séries comme Soda, bien sûr, qui est une des meilleures, Jérôme Bloch qui va intégrer cette collection, et puis surtout Largo Winch qui sera le héros le plus populaire des années 90, quoi, et encore de nos Bien jours, sûr. quoi. Il y a aussi Jérémia de Herman qui sont des récits post-apocalyptiques assez incroyables et un dessinateur. Herman, c'est vraiment un des auteurs aux dessins réalistes les plus cultes, quoi. Je veux dire, tu vas pas trouver beaucoup d'auteurs qui ont autant influencé d'autres professionnels, quoi. Donc ça, c'est quand D'accord. même pas rien. Largo Winch, je pensais que c'était plus dans les années 90. C'est juste après, ouais. Donc la collection Juste après. Air Libre, elle commence 88 et Largo Winch arrive après, quelques années après, 2 ans après. Alors, événement très marquant, autre événement très marquant des années 80, c'est la naissance d'un enfant spécial près du Havre qui, après des années dans la musique, devient animateur d'une fameuse émission de stream qui s'appelle Culture Bulle. Il a l'air, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il a l'air destiné à devenir DG de chez Dupuis, mais ceci est une autre histoire. On va pouvoir passer à ton interview, Morgane, à une petite interview. Tiens, Morgane, parce que justement, on discute D'accord. avec toi un peu depuis tout à l'heure. Mais j'aime Ouais. bien lorsqu'on connaît un peu plus nos invités en profondeur. Est-ce que tu peux nous donner, D'accord. nous expliquer un peu ton parcours? Oui. Alors, moi aussi, je suis né dans les années 80. Yes. Je suis né en 1981, De qui en est-ce qu'on septembre. parlait alors? Oui, de qui? Voilà, Qui est-ce qui va devenir exactement. DG? Très, très bien Ah! démarré. Je sais pas. Vas-y, premier. Alors, ben moi, j'ai grandi, je viens de Belgique et je viens d'une famille où la bande dessinée était super importante.
Déjà en Belgique, la bande dessinée est importante dans toutes les familles, donc ça, c'est pas très Bien original. sûr. Mais mes parents m'ont fait lire tous les classiques des années 50, des années 60, que ce soit de Spirou ou du journal Tintin, vu que je lisais les deux. Mais j'ai toujours préféré Spirou parce que je trouvais qu'il y avait plus d'humour et plus de fantaisie. Et donc, ça collait mieux à mon caractère et à ce que j'ai aimé. Et puis, ben voilà, j'ai eu la chance d'être abonné assez jeune, finalement, vers l'âge de 7 ans. Et je me souviens, petite anecdote perso, vu que c'est la partie interview perso de Yes. l'entretien, quand j'ai commencé chez Dupuis, ma maman m'a dit, tu sais, quand tu étais petit, tu nous as dit que quand tu serais grand, tu voudrais devenir libraire pour avoir Spirou avant tout le monde. Maman, si tu Ah, me regardes, voilà, j'ai réussi dans la vie. ah t'es allé à la source directe là, t'es plus à la source que ça, je Voilà. pense. Mais Encore mieux que libraire, quoi. C'était rigolo, quoi, quand même, qu'elle me rappelle ça, parce que moi j'avais forcément oublié. Donc voilà, ben forcément, j'ai baigné dans la bande dessinée, et vraiment les classiques franco-belges qui m'ont donné envie de continuer à lire. Puis j'ai un peu lâché à l'adolescence, comme tout le monde. Et je suis revenu à la BD par toute la génération de la scène indépendante française des années 90. Tous ces gens de l'association, que ce soit Lewis Trondheim, Johan Sfar, Jean-Christophe Menu, tous ces gens-là qui à la fois faisaient de la BD hyper indé et qui avaient les mêmes racines de lecture que moi, même s'ils étaient plus vieux que moi. Et donc ça m'a redonné goût à la BD. Ah, par exemple, quand j'étais ado, j'étais ultra fan des aventures de Lapinot de Lewis Trondheim, qui était vraiment la série que je suivais avec une impatience dingue et encore maintenant, je lis avec beaucoup de plaisir cette série. Et ça m'a fait revenir à la bande dessinée. Puis après, je suis parti étudier à Bruxelles et j'ai eu un boulot d'étudiant dans une librairie de BD. Et quand j'ai commencé ça, ben sans m'en rendre compte, ça a changé ma vie parce que forcément, ben je connaissais une partie de la bande dessinée. Et puis quand tu mets les pieds dans une librairie de bande dessinée, tu apprends que le continent de la bande dessinée est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vaste que ce que tu as déjà pu connaître chez toi. Et là, ben c'est l'engrenage infernal, enfin infernal dans le bon sens du terme, tu vois, parce que tu découvres tellement de choses, tu te rends compte qu'il y a tellement de choses en BD européenne, américaine, japonaise, et c'est infini presque. Et donc voilà, j'ai terminé mes études et j'ai toujours continué à garder un petit pied dans la bande dessinée en écrivant pour, après mon parcours comme libraire, en écrivant pour des sites de fans, notamment Actua BD, qui est toujours un site qui existe et qui est un site Bien sûr. super important pour l'actualité de la bande dessinée, pour l'info sur la BD. Et j'ai commencé à C'est un écrire de mes aussi pour le sites, journal Spirou. c'est un des sites qui me sert de source justement quand je fais mes news de BD. Bah Donc oui. coucou à vous, Ben voilà, vous me ouais, donnez beaucoup, ActuaBD, ils font un beaucoup, super beaucoup, travail. beaucoup d'informations de qualité. Donc big up à vous si vous nous regardez. Voilà. Et puis ben voilà, j'écrivais pour différents éditeurs, dont le journal Spirou. J'écris des dossiers d'intégrale, etc. Mais j'ai toujours gardé un pied dans la bande dessinée. Et mon métier, c'était, j'étais directeur d'un centre culturel. Donc j'organisais des spectacles, des concerts, des expositions, parfois des expos de BD. Et puis à un moment, D'accord. bah, ma route a à nouveau croisé la bande dessinée pour de bon avec Dupuis et le journal Spirou en 2019. Voilà pour un résumé très D'accord. très rapide de ce que j'ai Donc fait. ça fait maintenant 3 ans que tu es rédacteur en Bientôt, ouais, chef, bientôt 3 ans. bientôt 3 ans que tu es rédacteur en chef au journal de Spirou. C'est quoi la vision éditoriale de Morgane Di Salvia? Comment est-ce que Ouh tu là vois là. philosophiquement vers où tu veux aller? Quelles sont les valeurs auxquelles tu es ultra attaché? Je ne sais pas si tu peux répondre à ça. Écoute, je n'ai pas vraiment théorisé. Moi, je sais quelles sont mes Bah, c'est le motivations, en moment. tout cas. Je vais commencer D'accord. par mes motivations, si tu veux. Moi, quand j'étais gamin, le journal a changé ma vie dans le bon sens. C'est-à-dire que ça m'a D'accord. fait découvrir des pans entiers d'humour, une certaine idée de l'humanisme, de la générosité et tout ça. Et si je peux rendre à la communauté des lecteurs ce que moi j'ai reçu comme lecteur à l'époque, j'aurais pas trop mal réussi mon passage dans le journal Spirou. Après, on essaye de développer des nouveaux héros aussi. Si tu veux vraiment pure stratégie éditoriale, notre idée, c'est D'accord. que les filles et les garçons qui nous lisent, ben, ils tombent amoureux de héros que nous, on fait débuter dans le journal actuellement. Mais ça, c'est très compliqué parce que ben, j'imagine que vous avez déjà pu en parler dans Culture Bulle. De nos jours, les héros les plus populaires sont des héros qui existent depuis très longtemps, que ce soit Ouais. en BD, même en manga. Je veux dire, les grands héros manga comme One Piece, pour prendre le plus connu, c'est pas tout récent, quoi. Ça a 20 ans. Je parle sous le 25 ou contrôle et 25 ans, je l'expertise de crois. Sébastien, bien sûr. 25 ans, One Non, Piece? non, mais
Donc, c'est une époque où c'est difficile d'imposer des nouveaux univers. On essaie chaque semaine, mais c'est pas évident. Donc, ce qu'il faut, c'est rester fidèle aux valeurs de notre journal, du personnage, de la manière dont il s'est toujours incarné. C'est-à-dire que on n'a pas envie d'avoir des héros qui disent « Envoyez, pétez vos parents et cassez tout dans la classe » et tout ça. On essaie quand même d'être, aller de transporter des valeurs positives, tu vois. On en parlera plus tard, mais avoir au générique un héros comme le Spirou vu par Émile Bravo, dont le titre, c'est l'espoir malgré tout. Dans une année où il y a une guerre à 2000 km de chez nous, moi, je suis fier de pouvoir proposer à nos lecteurs une BD qui parle de l'occupation, de la guerre, mais en se disant que même dans les pires moments de l'humanité, il faut garder l'espoir. Et je trouve que c'est un bon message pour les jeunes filles et les jeunes garçons qui nous lisent, quoi. Voilà, ça, c'est bien. Pour sûr. Nous tous, hein, je crois. Ah, c'est bien, c'est super. Ouais. Et pour les adultes aussi. On n'exclut pas les adultes, bien sûr. Alors, tu disais justement qu'il y avait plus en plus de difficultés à, bon, je l'interprète peut-être un peu, à créer des héros et des héros qui restent aujourd'hui. Tu penses que c'est dû à quoi? C'est dû à l'époque ou et à la manière de consommer qui a un peu changé? Ou tu penses que les licences d'avant sont trop fortes et n'arrivent pas à céder du territoire? Je pense notamment, par exemple, à un... On va reparler de manga, mais un Goku qui est encore là et qui a encore de nouvelles aventures pour le grand bonheur de Sébastien. Est-ce que c'est pas aussi dû à tous ces héros, que ce soit Spirou, Goku, Gaston, dont on parlera tout à l'heure, qui occupent beaucoup, beaucoup d'espace? Avec oui, notamment un travail intergénérationnel. Tu sais, je pense que quand on est dans des périodes un peu troubles, et c'est vrai qu'en Europe, depuis 5 ou 6 ans, entre le terrorisme, la pandémie, les crises climatiques et tout le bordel qu'on traverse, forcément, des héros que tu connais déjà, c'est presque une valeur refuge, quoi. Je ne peux pas dire que c'est comme un doudou d'enfant, mais c'est des personnages que tu presque. Connais déjà, donc tu peux aller vers eux. Et puis, il y a une production, enfin, c'est génial pour le moment, parce qu'il y a énormément de bandes dessinées, donc enfin, je veux dire, il y a presque un chef-d'œuvre par semaine. Mais il y a tellement de choses que quand tu es un lecteur occasionnel, tu arrives dans une librairie, il y a des centaines et des centaines et des centaines de titres, c'est difficile de t'y retrouver et parfois tu vas vers un personnage qui t'est un petit peu familier. Donc je crois que c'est deux explications. Je ne sais pas si c'est les seules, mais bon, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, Alix et Sébastien, mais c'est les deux premières qui me viennent à l'esprit, quoi. Sébastien? Ouais, je suis totalement d'accord. C'est un phénomène même plus général. Enfin, quand on se retrouve à regarder des séries, à relire des bouquins qu'on a déjà lus, c'est parce qu'on est un peu sûr de retrouver ce qu'on connaît déjà. Il y a ce sentiment hyper rassurant et d'être sûr d'avoir les émotions qu'on veut ressentir parce que parfois, on n'a pas envie de prendre le risque quand déjà le quotidien nous malmène un petit peu. Donc, ouais, complètement. Alors, rapidement, ouais, Sébastien, ton avis? Hein, si tu veux, je ne parle pas. Non, excuse-moi, j'étais en train de lire le chat en même temps, je t'écoute. Non, mais oui, je crois que c'est deux explications qui se tiennent bien. Et du coup, après, ça induit aussi une réalité économique, à mon avis, qui est que du coup, les héros qui existent déjà, eh ben, ils ont un succès minimum, en fait, qui est garanti. Et du coup, oui, c'est peut-être plus difficile pour aussi dans le monde dans lequel on est, il y a peut-être moins de place pour que des nouveaux héros émergent. Ils émergent, mais ensuite, après, est-ce qu'ils restent? C'est aussi ça la question. Tu vois, régulièrement, il y a des nouveaux personnages qui vont cartonner, qui vont faire quelques albums en BD, quelques dizaines de tomes en manga. Mais est-ce que 10 ou 15 ans après, ils sont encore aussi forts? C'est une autre question. Alors, on a deux questions dans le chat de A Geek with a Bird, qui est très actif ce soir. Alors, la première question, à part justement de l'occupation 39-45, il demande, il n'y a pas eu de récupération par l'occupant pour faire de la propagande, je pense qu'il parle du Spirou de l'époque, de vos publications de l'époque. Est-ce que tu es au courant de ça, Morgan? Non, il n'y a pas eu. C'était plutôt l'inverse. Comme disait Doisy, c'était un résistant, Jean Doisy. Et donc, il a plutôt fait passer tout l'inverse des messages
destinée au réseau de résistance. Et puis aussi, quand il y a eu les interruptions de publication, ils avaient mis en place le théâtre du Farfadet, qui était un théâtre de marionnettes qui allait de village en village pour raconter des histoires avec les personnages qu'on connaissait dans le journal. Donc c'était une manière de contourner toutes les censures et même l'absence de papier. Donc ils ont gardé l'espoir malgré tout, quoi. D'accord. On a une autre question, c'est une deuxième question de... Ouais, c'est super beau. On a une deuxième question de Geek with a Bird qui dit qu'on voit de plus en plus des héros de manga portés sur des formats BD. Est-ce qu'un héros BD pourrait être importé dans une version manga ? Il me semble que ça a déjà été le cas. Je ne sais plus exactement, mais moi, mon speeder sense qui s'agite et qui me dit que ça a déjà été le cas. Moi, j'en ai un en tête, c'est Les Légendaires qui a été adapté en manga. D'accord. Nous, on a quelque chose sous le coude. Ah ouais ? Je ne sais pas si on peut déjà... Oui, il y a Spirou. Manga, le 49Z. En fait, je crois que c'est le 49Z. C'était Spirou à Tokyo. C'était une aventure de la série Spirou et Fantasio qui se passait à Tokyo. Donc le titre était bien carré, on voyait bien où ça nous emmenait. Et il y a eu en parallèle un manga Spirou, un tome unique. Donc c'est déjà... Pourquoi pas finalement, en fait, ça pourrait être cool que ça arrive. Il faut juste le bon héros, mais je pense que ça pourrait arriver plus vite qu'on ne croit. Ça a été un succès, Spirou en manga ou pas ? Entre 7 et 10 sur l'échelle du succès, parce qu'on descend pas en dessous chez Dufy. Entre 7 et 10. je pense que c'était un peu trop tôt, tu vois, pour que ce soit un vrai grand succès, parce que les lecteurs n'étaient pas encore prêts à ce genre d'expérience. C'est bien dit, hein. C'est bien dit pour un flop. Je réponds pas vraiment. Je sais pas si ça a été un flop. Je peux pas dire que c'était un flop. Je sais pas. J'étais pas chez Dupuis à ce moment-là, mais je pense que c'était il y a une vingtaine d'années. Ouais. Et je pense surtout que le truc, c'est que en fait, du coup, la question, c'est qu'est-ce que tu fais quand si tu fais une version manga d'un héros, tu considères que c'est un succès? En fonction, en dépendamment des ventes, tu considères que c'est un succès quand qui le lit ? Est-ce que quand c'est le lectorat qui lisait de la BD qui le lit ou quand c'est le lectorat manga qui le lit ? Parce qu'en vrai, si tu fais une version manga de ton héros de BD et que c'est les lecteurs de BD qui le lisent, même si t'en écoules 200 000, est-ce que c'est vraiment un succès ? Parce que t'aurais pu faire ta BD et c'était pareil. Et pour le coup, le Spirou manga... Non, mais je partais du principe que ton héros de BD, il vend 200 000, tu vois. mais le Spirou manga, a priori, il n'a pas vraiment été lu par des lecteurs de manga. Il a été lu par des fans de Spirou, c'est sûr, mais il n'a pas touché les fans de manga, a priori, à rare exception. Oui, je pense surtout que pour que ça marche, il faut qu'il y ait une bonne histoire et une bonne raison de le faire. Ça ne doit pas juste être une opération de marketing, quoi. Ça doit être... Si on le fait sur un manga, il faut qu'il y ait une bonne raison pour que ce soit dans ce format-là. D'accord. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait une bonne histoire et une bonne narration adaptée. Quoi. Ouais. Et on a... Et du coup, on sur a le site depuis... Excuse-moi, depuis tout à l'heure, vous me voyez rire, mais je rigole à une bêtise de Spassky Eru qui a dit « Shingeki no Spirou ». Moi, ça me fait rire pour la ref. L'attaque des Spirou, ça fait stylé. Non mais sinon il y a Toti dans le chat qui disait justement pour être un peu cash que peut-être les lecteurs de manga aussi ils lisent des mangas pour fuir les codes des héros et les héros franco-belges les codes peut-être mais les héros à voir après hein, tout est une question comme le disait Morgan à l'instant en fait, je pense que c'est surtout une question d'avoir une bonne histoire et une bonne façon de la raconter quoi. D'accord, moi je pense également qu'il faut pas être voilà, qu'il ne faut pas être catégorique. Moi, je lisais très peu de bandes dessinées. C'est vrai que depuis que je commence à faire cette émission, j'y reprends goût doucement. Quand Alix daigne m'envoyer quelques œuvres, c'est vrai que j'y reprends... c'est vrai que j'y reprends goût. Et que surtout, je pense qu'il y a de bonnes histoires partout, peu importe le médium. C'est un peu aussi ma gamberge en musique. C'est que je pense qu'il y a de la bonne musique dans tous les styles. Il y a forcément une chanson qui va te plaire et je pense que c'est pareil que ce soit du manga, du webtoon ou de la bande dessinée, qu'il y a forcément une histoire qui va te parler. Au final, on est là que... moi, perso, j'aime lire les histoires qui me font rêver et le style, c'est, je ne vais pas dire que c'est secondaire, mais ça accompagne tout ça, en fait. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je suis 100% d'accord. Pourquoi se priver quand tu as une offre aussi incroyable que toute la BD européenne, exactement, plus toute la BD asiatique, plus toute la BD américaine ? Si tu aimes les bonnes histoires, il ne faut pas rester dans sa chapelle.
Et culturellement, ce n'est pas forcément la même manière de raconter non plus. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un enrichissement culturel en soi. J'ai une petite dernière question. Pour le magazine justement des 100 ans de la maison d'édition Dupuis, il y a des espèces de crossover à l'intérieur où les auteurs reprennent des œuvres d'autres auteurs, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qui Oui, fait quoi? Qui donc reprend quoi? en fait, on a voulu que ce numéro célèbre les 100 ans, mais les lecteurs de Spirou savent que le journal n'a pas encore 100 ans. Ce sera en 2038, les 100 ans de Spirou. Je ne sais pas si je serai encore là, on verra bien. Mais ça fait loin. Non, à mon avis, je ne ferai plus ce métier-là, sinon je serais très vieux. Donc, si tu veux, la signature de cette année d'anniversaire, c'était Dupuis, la maison des héros. Parce que c'est vrai, ce qui est très spécifique de notre maison d'édition, c'est qu'on a fait naître, on a été le berceau de plein de héros. Donc on s'est dit qu'on allait célébrer l'anniversaire par cet angle-là, et on s'est dit que c'était une occasion de mélanger les héros. Donc on a fait d'abord la liste de 100 héros qui ont marqué l'histoire de la maison d'édition, et puis on les a proposés petit à petit à des auteurs d'aujourd'hui, en mélangeant les styles. Ça nous permettait parfois faire des reprises très parodiques, et aussi d'intégrer des séries qui d'habitude ne sont pas dans Spirou parce qu'elles sont un petit peu trop adultes, parce qu'il y a un peu de violence, parce qu'il y a un peu d'érotisme, des choses comme ça. Et donc, on y est allé par la parodie, quoi. Et on s'est hyper bien marré à faire ça, et les auteurs aussi, parce qu'on a eu des résultats assez dingues. Alors, pour te donner quelques exemples, vous connaissez tous Les Tuniques Bleues, c'est une des séries les plus populaires Bien sûr. du catalogue de Dupuis. Mais on a une reprise de manière hyper réaliste par Dominique Bertaille, qui est un dessinateur de la collection Air Libre, donc notre collection plus adulte, et qui a fait. Notamment Madeleine Résistante, qui est un des grands albums de notre catalogue l'année passée, qui a reçu plein de prix, dont le prix René Goscinny, c'est quand même pas rien. Et Dominique a fait trois planches ultra réalistes, mais hyper belles. Et ce qui était génial, c'est qu'on avait très peu de temps pour faire ce numéro. Sachant qu'il fait un dessin réaliste, je me dis, bah, je vais pas lui demander plus qu'une planche, parce que c'est beaucoup de travail. Donc je l'appelle, je dis, Dominique, est-ce que tu veux bien participer à cet hommage? Je sais que tu es fan de la série, mais tu as un style réaliste, donc si tu me fais qu'une planche, c'est bon. Il fait, non, non, mais je veux en faire trois. Je fais, bon, ok, super. Allez, let's go. Et puis il m'a rendu avec une semaine d'avance, vu qu'il a même fait en moins de temps que prévu. Donc ça, c'était magique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme parodie et comme truc assez dingue? Ben oui, ben, Largo Winch, on parlait de Largo Winch, c'est le personnage le plus. C'est la meilleure vente des éditions depuis des 30 dernières années. C'est un milliardaire au grand cœur, enfin, c'est un personnage plutôt sympathique, sauf qu'on passe pas les aventures de Largo Winch dans Spirou, parce que justement, il y a un peu de violence, il y a un peu d'érotisme et tout ça, donc c'est pas tout à fait adapté à notre public qui compte aussi des plus jeunes. Donc ce qu'on a fait, c'est on l'a confié à Fabrice R et Fab Caro, qui d'habitude font l'édito dans Spirou, qui réussissent à dessiner tous les personnages sans articulation, donc ça c'est quand même magique, ces personnages un peu tout mous, comme c'était en latex. Et ils ont transformé Largo Winch en Largué Winch. Et Largué Winch, c'est un mec qui travaille au McDo dans l'Hérault, et d'habitude, il va se rendre compte qu'il a hérité d'un garage, du garage de Jean-Pierre Winch, et donc il va devenir garagiste, superstar. Avec ce genre de délire qu'on s'est permis Génial. dans ce numéro-là. Et alors, Et t'as on n'a pris pas prévenu les auteurs originaux pour leur faire une surprise, quoi. Donc j'espère que ça va D'accord. rire les auteurs de Largo Winch. D'accord. Et t'as Oui, l'air d'avoir pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ce numéro. écoute, avec toute la réda qu'on s'est vraiment bien amusé, c'était compliqué parce qu'on a dû le faire parce que nos annonces ont bougé à cause du report du festival d'Angoulême, et donc on a dû enfin refaire nos plans. Ça, c'est un peu de la cuisine interne de la rédaction, donc c'était un peu compliqué, mais tu vois, quand tu as une deadline, parfois tu tries l'essentiel et tu vas à l'essentiel de la mission, et tous les auteurs sont piqués au jeu, et on a eu des résultats assez dingues. Par exemple, Moi, j'adore le Jojo par Nob, il m'a trop Oui. touché, genre, oh, Ouais. trop beau. C'était magnifique. Mais Jojo, c'était une des grandes séries des années 80 et 90 dans Spirou. Vraiment un pur moment de tendresse, les aventures un peu bucoliques de copains d'école primaire. Et depuis longtemps, Nob, le dessinateur de Dad, on lui dit, ah, ce que tu fais, ça a la même tendresse que Jojo, etc. Et donc, il s'est dit que c'était l'occasion unique de rendre un hommage. Et c'est vrai qu'il a fait deux planches, une super sensibilité. Enfin, on était vraiment ravis, quoi. Vraiment, vraiment Donc ravis. Moi, j'ai pas. c'est sorti. J'ai pas encore tout lu le magazine, mais perso, j'ai beaucoup aimé le gag autour de Michel Vaillant. Je sais plus le nom du dessinateur, C'est il m'a Guillaume beaucoup fait. Musa qui a fait ça. Ouais. Oui, mais Michel Vaillant, c'est un personnage qui a rejoint l'équipe Dupuis il y a une dizaine d'années, mais qui est né dans notre ancien concurrent, le regretté journal Tintin. Donc forcément, bah, c'est un peu D'accord. bizarre, parce que
C'est un peu comme si tu joues à Barcelone et t'es transféré au Real Madrid, quoi, pour faire une analogie de foot. C'est ça. Hein, c'est un je vois. Je comprends très bien cette analogie. À peu près ça. Et donc, on s'est dit, bon, on a envie de l'intégrer à l'anniversaire, mais on va un peu se moquer gentiment du personnage qu'on adore, mais voilà, qui n'est pas né dans nos pages. Donc, on l'a confié à Guillaume Bouzard, qui est un des super humoristes de la BD d'aujourd'hui. Pour vous rappeler, il avait fait quand même un Lucky Luke qui s'appelait Jolly Jumper ne répond plus. Donc, ça vous dit son Ah, genre il était d'humour, quoi. trop drôle. Voilà, c'est vraiment bien, bien barré. Et donc là, il nous a fait un Michel Vaillant qui est presque décalqué, non, même carrément décalqué de case à case. Mais s'il fait ça, c'est parce que le gag final, enfin, ça s'est expliqué dans le gag final. J'ai mal expliqué, mais je suis un mauvais pitcher. Mais il paraît que pour venir dans cette émission, il faut être un très mauvais pitcher. C'est ce qu'on m'a dit. Exactement. Exactement. Tu vas avoir ta carte de membre. On va te remettre ta carte de membre de très mauvais pitcher. Comme ça, on sera tous logés à la même enseigne. Ben on va pouvoir continuer cette petite rétrospective des 100 ans de Dupuis. Petit détail que je peux peut-être ajouter, c'est que le numéro du journal de Spirou est disponible depuis mercredi dernier. C'est bien ça? Il est Voilà, trop beau. exactement. Ouais, il est beau. Est disponible. Donc Ouais. ça ressemble d'ici ça ressemble à un numéro collector. Je serai vous, j'essaierai de me le procurer très 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 rapidement. Et Est-ce que je ça a peux l'air dire de un petit rien que le. truc? Je t'écoute. Ouais. Donc, d'habitude, quand on est abonné au journal, on reçoit vraiment le journal plus tôt que les autres. C'est un des privilèges d'être abonné. D'accord. Si des abonnés nous écoutent ce soir, je voudrais m'excuser auprès d'eux parce qu'on a eu des gros, gros, gros problèmes d'approvisionnement en papier. Et donc, pour pouvoir faire un numéro de 100 pages, on a dû vraiment attendre les bobines de papier jusqu'à la dernière minute. Donc, il y a certaines zones, certaines régions qui ont été livrées plus tard que d'habitude. Et donc, chers abonnés, si vous nous écoutez, pardon, ça, on ne le refera plus. Mais malheureusement, voilà, on a eu ces problèmes d'approvisionnement qui nous ont obligés à être un peu en décalage d'impression. Donc, pardon. C'est tout. Yes, let's go. On se dirige maintenant vers les années 90. On reprend notre rétrospective, comme je vous ai dit tout à l'heure. On passe aux années 90 et pour ma part, dans les années 90, je suis en pleine Jackson Mania parce que son meilleur album vient d'être sorti en 91, Dangerous. Ce que je dis n'engage que moi, mais pour moi, le meilleur album de Michael Jackson, c'est Dangerous. C'est peut-être parce que j'ai vécu la sortie en live et que j'ai encore des souvenirs. Mais en tout cas, ça n'engage que moi. Le premier grand héros de cette décennie sera donc Largo Winch de Philip Frank et de Jean Van Hamme, d'après les romans de ce dernier. 5 ans plus tard, on aura l'inauguration du nouveau QG de Marcinelle qui est digne du standing du groupe Winch. Largo Winch, moi, il me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup penser l'archétype du milliardaire qui est un héros en même temps. C'est quand même une chose qui fait énormément rêver. On parlait de Batman en off. On peut parler aussi de Tony Stark et on a notre fierté à nous qui est Largo Winch. On peut parler des adaptations ciné ou pas, ou c'est tabou chez vous? Moi, je trouve que c'était plutôt bien. Il n'y a C'était pas vu plutôt venir bien fait. celle-là. Alors, moi, je trouve que c'était plutôt bien fait, les adaptations au cinéma de Largo Winch. C'était convaincant, c'était des bons films d'action. La série TV, par contre, je m'en rappelle pas. Je crois pas que j'ai vu. Mais je trouve les films avec Thomas Sisley, c'était de belles tenues, quoi. Ça marchait bien. En fait, cette question est très orientée vers Sébastien. Sébastien n'est pas d'accord avec Non, moi. mais moi. Je dis rien en fait parce que en fait je lis pas la BD donc en vrai voilà tu vois Ah c'est pas très grave ce que je pense des films d'Argo Winch. oui. D'accord, ouais. Et toi, Alix, tu les C'est as vus? Tu trouves? j'ai pas tant un problème avec les films de Largo Winch, en plus j'ai surtout un problème avec Thomas Sisley. Voilà, c'est D'accord. aussi vrai. Ce qui est un autre chapitre. Et toi, Alix, tu les as vus? Alix, on t'entend plus? Alix? Peut-être que ton Ah, micro est Alix a fait la. débranché. Je peux faire la voix d'Alix Ah, si vous voulez. Eh bien, ah, vous j'ai avez voulu voir regardé ça. les films de la. On a eu la même idée de blague. On va essayer de lire sur les lèvres et retranscrire ce qu'a dit. On t'écoute, Alix? Mimer, Alix. Mime-le nous. Parce que vraiment, le micro ne marche pas. Alors, je Ah, elle pense qu'il a a fui abluré. la question sur Largo Winch. Je pense qu'il a fui tout simplement la Voilà. question sur Largo Winch. Du coup, le QG à Marcinelle, vous y êtes encore aujourd'hui? C'est bien Oui, il ça? n'y a pas de piste d'hélicoptère sur le toit, malheureusement. Ah, Mais c'est par dommage. contre, on a une piste d'atterrissage pour des abeilles. Est-ce que tu savais ça?
Non, je savais Parce que pas, sur je le savais toit, pas du voilà, tout. là on voit le bâtiment de notre siège à Marcinelle, c'est vrai que c'est un côté un peu Largo Winch. Et sur le toit, on a des ruches, et donc chaque année, pour Noël, on reçoit un pot de miel de Marcinelle. Le miel de Là, Spiège. ça tue. C'est quand Là, même bon. sympa, ça, je savais pas. Jaloux. C'est très bien. Moi, je suis un peu dégoûté pour la piste d'hélicoptère parce que je comptais venir chez vous bientôt. Mais je vais prendre le train comme tout le monde, hein, je pense. Ouais, ce sera plus prudent. Il faudrait qu'on se fasse une visite là-bas. Sébastien, toi, tu as déjà dû y aller? Ou tu n'y es jamais allé? Non, si j'y suis allé quelques fois, mais on m'a pas filé de miel par contre. D'accord. Tu Parce que vois. c'était venu Bah, hors saison, t'es venu hors saison, c'est pour ça. c'est pour ça. C'est quand alors qu'il D'accord. faut Hors venir? saison du miel. C'est quand la saison du C'est miel? vers. En tout cas, le moment où on reçoit les pots de miel, c'est fin novembre, début décembre. D'accord. Je suis venu, hein. Alors peut-être que t'as Ah bah. un ami qui t'a volé ton miel. C'est possible aussi. Ah non, c'est scandaleux. Ah, c'est Alix, rends-moi mon pot de miel. possible. Ça peut pas être une accusation. Elle peut pas se Sinon, défendre, pour. c'est un coup bas, ça, Sébastien, un peu. Ah là, on l'entend toujours pas, Alix. Faut que j'arrête de faire E ce soir. Allez. Beaucoup de E, hein, Sébastien. C'est ça. Doug, il faut que t'arrêtes de faire la blague. Tu peux lui remettre son micro maintenant. S'il te plaît, ouais. Je vous jure, c'est pas On moi. continue Continue l'émission, l'émission. mais. On continue l'émission, mais ce serait cool d'organiser un petit voyage à Marcinelle, tiens, un petit docu, un petit truc comme ça, on ferait le parallèle entre les bureaux de Paris et les bureaux de Marcinelle pour le coup. On s'en parle en privé, Sébastien, tu vas voir, ça va te faire plaisir, on va parler de budget, je sais que tu as le sourire et que tu aimes ça, mais une épopée à Marcinelle où on retracerait tout ça en live, ce serait pas mal. On passe aux années 2000. En 2004, Média Participation devient le nouveau propriétaire des éditions Dupuis. Il intègre alors le plus grand, il devient alors le plus grand groupe de BD d'Europe. C'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on est toujours le plus grand groupe de BD d'Europe? Je pense bien que oui, non? Et on peut En tout cas, bomber un peu alors. par le talent, certainement. En termes d'argent, ça, moi, vous savez, je suis pas un homme de chiffres forcément, mais en tout cas, je pense que quand Ouais. tu mets ensemble toutes les maisons d'édition du groupe, il y a quand même beaucoup d'excellentes bandes dessinées et plein de propositions d'univers différents. Donc ouais, ça le fait quand même, quoi. Alors, il y a en 2007, il y a la maison d'édition Dupuis lance sa première bande dessinée muette qui s'appelle Les Petits Poilus et qui permet justement de commencer la lecture dès 3 ans. Les Petits Poilus, moi j'ai croisé ça plusieurs fois. Il me semble qu'il y en a une adaptation au dessin animé aussi. Ouais, il y a 2 saisons. Je pense que vous pouvez les voir sur la plateforme d'Amazon, je crois. En tout cas, en Belgique, on peut les D'accord. voir sur Amazon. Et effectivement, c'est assez génial. Moi, je dis souvent à Pierre Bailly et Céline Frépon, qui sont les créateurs de cette série Petit Poilu, qui est formidable, que en fait, tous les auteurs de BD devraient leur verser un salaire ou quelque chose, parce qu'en fait, ils forment les gamines et les gamins à partir de 3 ans à lire de la BD. Donc, en fait, ils sont vraiment la porte d'entrée dans la BD, ces petits poilus. Et blague à part, c'est absolument génial parce qu'il n'y a pas de parole, en fait. Et donc, tu peux lire vraiment tout petit. Et c'est l'art de la BD pure, c'est raconté juste par le dessin. Pour la petite anecdote, on a voulu faire un petit colis de réconfort pour tous les réfugiés qui sont sur la route de l'Ukraine vers la Pologne à cause de la guerre en cours, là. Et ces petits poilus qu'on a mis D'accord. dans les colis parce qu'on se dit, quelle que soit la langue de La l'enfant qui langue. va tomber dessus dans les centres de réfugiés, etc., ben voilà, ça, on espère que Petit Poilu va donner un petit moment de réconfort aux filles, aux garçons qui sont dans les malheurs actuels, quoi. C'est Mais une chouette le projet est initiative. bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce colis confort, pour le coup? Ben, si tu veux, dans la série Petit Poilu, un des derniers qui est paru, ça racontait, c'était sous forme d'une fable, l'émigration différente. Et donc tu voyais tout un petit peuple de chandelles qui devait traverser un océan, quitte à risquer de s'éteindre, la chandelle avec les vagues, etc. Et donc c'était clairement une fable qui racontait ce que vivent des migrants de nos jours. Et donc forcément, quand on a pensé à amener quelques livres pour amener un peu d'enfance pure pour les malheureux sur la route, on s'est dit, bah, Petit Poilu, c'est le choix évident. Donc on a d'abord demandé à Pierre Bailly, à Céline Frépon, s'ils étaient d'accord avec cette initiative. Voilà, Chandelle sur Trouille, merci Sandrine. J'avais oublié le titre. Merci, Sandrine. Et ils ont accepté. Et donc on a fait ça discrétos, tu vois. On ne voulait pas commencer à faire la une des journaux avec ça, mais comme on est entre amis ce soir, je crois que c'était pas mal de souligner que les auteurs avaient appuyé cette idée et que, on l'espère, ces quelques dizaines de livres auront trouvé
enfin, auront pu égayer un tout petit peu les après-midi ou les soirées d'enfants qui traversent des moments compliqués, quoi. En tout cas, c'est une super initiative. Je pense qu'on peut encore saluer et rendre hommage à tous ces, à tous ces, toutes ces personnes qui sont actuellement sur la route. Je suis régulièrement à l'actualité et je pense encore et je pense toujours, encore et toujours, que la culture et l'art sont une sorte de réconfort. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Morgane, il me semble, et qu'il y a toujours et souvent des artistes qui font qui font des actions pour justement essayer d'avoir un monde meilleur pour ces gens-là. Donc, félicitations pour cette initiative. Est-ce qu'on a récupéré Alix? Je crois que oui. Oui. Ah. Yes. Oui. C'était la minute de silence que je faisais pour l'Ukraine. Voilà. En tout cas, j'ai kiffé de voir démener. J'ai kiffé de voir dans la technique, etc. Mais je me disais qu'il fallait que tu reviennes parce qu'on a un grand absent. Oui, non? Parce qu'on a un grand absent ce soir, qui est Cédric, donc qui n'a pas pu être parmi nous ce soir. Et on avait une anecdote avec Cédric, justement, pour les années 2000. On est en plein dedans, Cédric qui, dans les années 2000, donc, a écrit au journal de Spirou. Et en préparant l'émission, il nous a dit qu'il n'avait jamais eu de réponse. Je me suis d'abord posé la question, tout à l'heure on se posait la question avec Doug, est-ce que maintenant qu'il travaille chez Dupuis, chez Webtoon Factory, pour le coup, il s'est répondu lui-même à sa lettre, ou est-ce qu'on avait ensuite prévu que Morgane puisse lui répondre en live, en direct, mais malheureusement, il n'est pas parmi nous. Mais ça amène quand même la question, comment vous maintenez le lien avec vos lecteurs? Est-ce qu'il y a beaucoup de courriers qui arrivent toujours? Est-ce que vous répondez à un maximum de courriers? Quelle est la méthodologie employée? Alors effectivement, on reçoit beaucoup de messages, de plein de manières différentes. On a encore des courriers papier, des dessins que des enfants nous envoient, ou des lettres manuscrites. On a beaucoup d'emails sur la boîte aux lettres de la rédaction. On a des messages sur les réseaux sociaux. Donc, on essaye de répondre relativement rapidement à tout le monde. Enfin, quand il y a une question précise, parce que si c'est juste « coucou, ça va ben, », c'est compliqué de répondre à tout le monde. Donc, on donne un maximum d'informations par rapport aux gens qui nous demandent. Mais vous savez qu'on a une grande tradition dans le journal, c'est d'avoir du courrier de lecteur en retard, enfin du courrier en retard tout court. Et c'est vrai, ben voilà, BD Découverte le dit, c'est Gaston qui répond au courrier. C'est vrai que quand on est en retard, on peut toujours se réfugier en disant « Ah mais on est un peu en retard », c'est une grande tradition dans le journal. Mais une rubrique qui a beaucoup de succès auprès des lecteurs et qui nous permet d'avoir un lien, c'est une rubrique qui s'appelle « Le strip dont vous êtes la star ». Est-ce que vous connaissez cette rubrique dans le journal Spirou, ou je vous l'explique? Je vais la réexpliquer. Explique-la pour le chat, au cas où il y a des gens qui ne connaissent pas. En fait, c'est pitch. L'idée, c'est accomplir un rêve que tu peux avoir quand tu es un lecteur de BD. C'est quoi le rêve d'un lecteur de BD? C'est devenir un personnage de BD. Et donc, on s'est dit, on va accomplir ce rêve chaque semaine pour un lecteur ou une lectrice. Et donc, bah, l'idée, c'est qu'il faut proposer sa candidature. On envoie une photo, la série qu'on préfère dans le journal et une ou deux choses qu'on aime faire dans la vie. Et puis chaque semaine, on choisit un candidat et on a Sergio Salma et Libon qui mettent en scène un lecteur qui devient la star du strip de la semaine. Et on a lancé ça il y a à peu près 2 ans et demi, bah, grosso modo quand je suis arrivé. Et on a 3 ans de candidature d'avance. Donc ça veut dire qu'on a des candidats pour les 3 prochaines années. Donc c'est vraiment une rubrique qui est directement... c'est ça en fait. C'est une rubrique qui a directement trouvé son public. Et je crois que moi, quand j'étais gamin, si on m'avait proposé ça... j'aurais été dingue, donc j'imagine que la mayonnaise prend toujours, en tout cas si on a autant de candidatures, c'est que ça répond à quelque chose, quoi. Et puis c'est amusant. Bien sûr. Est-ce que toi, en tant que rédac chef, tu prends en compte les retours pour un peu t'orienter? Oui, on essaie d'avoir, comme je disais au début de l'émission, il faut avoir les yeux et les oreilles grandes ouvertes pour se rendre compte de tout ce qui se passe, et donc il faut écouter les commentaires des uns des autres pour s'améliorer. Après, on essaye toujours de deviner à l'avance qui pourrait être les goûts des lecteurs et des lectrices, parce qu'on ne doit pas, juste suivre. Par exemple, les référendums, c'est un truc qui est un peu compliqué pour nous, parce que sinon, les gens, forcément, ils ne savent pas tout ce qu'on a dans les tuyaux et qui vont seulement apparaître dans le journal. Donc, on essaye d'en tenir compte, mais pas d'être non plus enchaîné à ça, quoi. On n'est pas sourd, on voit bien, et on écoute aussi, mais on ne fait pas ça.
D'accord. On va pouvoir passer à la décennie suivante, qui sont les années 2010, ou les années 2010. En 2013, on fête les 75 ans du journal de Spirou en France, en Belgique et ensuite, avec une tournée baptisée Spirou Tour. Ça avait l'air cool, ça. Ouais, c'était une super idée de la rédaction à l'époque. C'était faire la forme d'un S sur toute la Belgique, la France et la Suisse. Et donc les D'accord. villes-étapes avaient été choisies pour non seulement parler à tous les lecteurs qui suivaient Spirou, et puis faire un S géant quoi, sur la carte de l'Europe. Ouais, Ah, c'était c'est une super idée. incroyable. Et donc il y a eu des rencontres tout au long de l'année pour faire découvrir l'esprit Spirou un peu partout. C'était plutôt chouette. Il y a eu un documentaire pour Arte cette année-là qui racontait l'histoire du personnage de Spirou. Et puis ça, quelque part, ce Spirou Tour, ça a créé les bases de ce qui allait devenir le Festival Spirou qu'on fait depuis l'année d'après, depuis 2014. Donc ça fait 8 ans maintenant qu'on fait ce festival. Et la recette magique du Festival Spirou, c'est des rencontres avec des auteurs, des rendez-vous avec les lecteurs et du dessin live avec des battles de dessin, avec des défis dessinés délirants, des quiz, etc. Et ça, c'est un rendez-vous qu'on veut rater sous aucun prétexte avec la rédaction, qui est un moment vraiment génial. Enfin, moi, j'adore en tout cas. J'ai eu la chance de participer déjà au premier Festival Spirou comme simple animateur. Je n'étais pas encore chez Dupuis, mais j'ai animé des rencontres à ce moment-là. Et c'est, allez, complètement immodestement, c'est le mini-festival de BD le plus cool du monde. C'est le Festival Spirou. Et Et ça se cette passe année, où le on va festival? le faire. Et ben voilà, justement, cette année, on va le dédoubler. À l'origine, il avait lieu que pendant la fête de la BD à Bruxelles. Et depuis l'an dernier, enfin, l'an dernier, on l'a fait pour la première fois une édition au Parc Spirou en Provence. Et à partir de 2022, il y aura deux éditions du Festival Spirou par an. Une en France au Parc Spirou en Provence et une en Belgique lors de la fête de la BD à Bruxelles au mois de septembre. Et donc le prochain rendez-vous du Festival Spirou, c'est les 7 et 8 mai au Parc Spirou Provence. Ah, c'est Et ça va demain. être cool. C'est demain. On va être Ouais, amené à en reparler dans voilà. Culture Bulle, je pense. Et pourquoi pas faire gagner des entrées, comme on est des gens très, Ouais. très, très généreux, généreux ici. Et on va vous gâter. Vous inquiétez pas, on va vous gâter. Alors, on va aborder une actualité un peu moins joyeuse. En 2015, suite aux attentats que la France a connus, dont on a pour la plupart tous été témoins, qui ont été un moment difficile pour beaucoup. Une édition spéciale, Je suis Charlie, rassemblant plus de 500 000, 150 auteurs, excusez-moi, 500 000, ça fait un peu beaucoup, 150 auteurs a été créée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et moi, je peux préciser que cette édition a été vendue à plus de 300 000 exemplaires, ce qui prouve encore une fois, on en parlait tout à l'heure, de l'immense solidarité qui s'est déployée pour cet événement, mais aussi que les auteurs se mobilisent encore une fois pour une cause d'actualité, malheureusement. Bah oui, bah je pense que comme tout le monde à l'époque, le journal a été sidéré par la violence des attaques contre Charlie et malheureusement, c'était que le début d'une vague horrible d'attentats. Et on attaquait des dessinateurs, donc c'était très troublant. Je pense que pour tous les auteurs de Spirou, c'était des collègues qui avaient disparu dans ces attaques horribles. Et donc la rédaction à l'époque, emmenée par Frédéric, ils ont eu cette idée de faire un Spirou chez Charlie en très peu de temps, qui était en dehors du flux normal du journal, parce qu'on fabrique un journal par semaine, et celui-là est sorti en plus de tout ce qu'ils faisaient. Donc ils ont travaillé tout le week-end pour rassembler tous les documents qui ont fait cette édition très spéciale. Et c'est vrai que c'était, bah déjà, la couverture de Johan est superbe, et c'était quelque chose, je pense, qui a fait du bien. Tu l'as dit plusieurs fois pendant l'émission, l'art, ça peut soigner un peu les choses difficiles qu'on vit, les blessures, etc. Et je pense que ce numéro-là arrive au bon moment pour, comment dire, un peu réchauffer les cœurs avec des dessins, parce que c'était des dessinateurs qu'on a assassinés, cette année-là, quoi. Bien sûr, et en plus, ce qui est plutôt positif, c'est que ça a été quand même accueilli en masse avec 300 000 exemplaires. C'est pas C'est la rien. plus grosse vente Ce qui... de l'histoire du journal. D'accord. Et ben voilà. Et Numéro-là. ça prouve encore une fois que nous sommes tous unis quand quelque chose se passe mal et qu'en général, lorsque les artistes justement soulignent ce fait. Eh ben, nous, lecteurs et publics, on répond présent et on soutient ce genre d'initiative. On va pouvoir passer à 2018, justement, avec l'ouverture du parc Spirou en Provence. Moi, je ne connaissais pas l'existence de ce parc, peut-être parce que je ne suis pas de Provence, mais en voyant tout à l'heure, je me suis dit, c'est assez cool. On fait tout de suite le rapprochement avec le parc Astérix. Est-ce que c'est une volonté
de vous être installé en Provence justement pour éviter l'accumulation à Paris avec Disney et le parc Astérix justement. Oui, je pense que c'était aussi pour le climat, parce qu'il fait bon. C'est une des régions où il Aussi, fait le plus ouais. bon. Donc, je crois que c'était une D'accord. des premières raisons. Et puis, ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que c'est beaucoup plus à taille humaine que le parc Astérix ou parc Disneyland. C'est très, très grand. Alors qu'ici, parc Spirou, par rapport au public familial à qui il est proposé, je trouve, enfin, moi, quand j'ai découvert le parc, pour prendre un exemple personnel, je l'ai visité avec ma famille et mes enfants qui étaient petits, et tu pouvais faire presque toutes les attractions en une petite journée, donc c'était très D'accord. family friendly, quoi. Et c'était la première démarche. Et puis, si tu es un peu fan de BD, c'est génial de voir tes héros Ouais. préférés prendre vie dans des décors, etc. Et puis, ils Et grandissent tu chaque peux année t'asseoir petit dans à la petit. turbo-traction. Si ça, c'est pas Ouais. cool. Moi, j'ai trop kiffé Et ça. y a déjà été, Alix? Ouais, j'y suis allée une fois et je l'ai trouvé très sympa. Donc je me suis assise dans la turbo-traction. Il y avait beaucoup d'attractions hyper sympas. Et puis du coup, comme il fait tout le temps très beau, ils ont joué sur certaines avec des jeux d'eau. Donc c'est assez chouette. Et puis en plus que, enfin, ce qui est très cool, c'est que le parc s'étoffe très régulièrement de nouvelles attractions. Là, il y en a une, j'ai très envie d'y retourner sur Kid Paddle qui a l'air trop cool. Donc ouais, ça, enfin, ça vaut le coup d'y aller, d'y retourner régulièrement parce que c'est un parc qui vit comme nos BD finalement. D'accord, et même sur les D'ailleurs, photos, on voit que c'est. c'est à. J'écoute. Et tu vois, sur la photo, on voit le Spirou Racing, donc c'est l'attraction qui est Ouais. en jaune, là, comme une forme. Et pour l'anecdote, l'année passée, donc on a fait le festival Spirou dans le parc Spirou, et on a fait un record du monde. En fait, on a fait la toute première séance de dédicace jamais faite dans un roller coaster. Et c'est Libon qui a relevé ce défi fou, et donc il a dessiné en Incroyable. faisant les loopings, quoi. C'était juste dingue, parce que le dessin était pas mal à la fin. Magnifique. C'est ça qui était encore plus dingue. Ah, tu Donc, on m'étonnes. avait filmé, on avait fait une. Enfin, il y avait une GoPro, il y avait un Facebook Live, etc. Et enfin, je veux dire, on s'est marré comme des baleines, quoi. C'était vraiment génial. Et pour l'anecdote aussi, donc, on a fait ça au mois de septembre. Et 2 mois après, on a vu que Angèle, la chanteuse, nous avait copié l'idée, quoi. Elle a fait la même chose pour Là, révéler sur la cover, j'ai les. vu en plus. Ouais, et puis elle a révélé les titres de ses chansons. En se filmant dans une montagne russe, en train d'écrire les paroles, les chansons, les titres des chansons, je sais plus. Et donc, on est sûr qu'elle lit Spirou. Donc, Angèle, si tu regardes ce Culture Bulle ce soir, on veut bien que tu ailles faire un concert au parc Spirou en guise de compensation. Avec plaisir. Et avec plaisir. Alors, on en est où entre la copie et l'inspiration? C'est toujours la petite question qui C'est à laquelle penser, l'influenceur. c'est On difficile. oublie tout. C'est de l'influence. Voilà, Spirou l'influenceur. Sébastien, tu as déjà été au parc Spirou ou pas du tout? Et ben non, et ben non. Donc moi Ah ben, j'attends, il va j'attends falloir la qu'on faire. y aille. C'est Bon, on ça, on m'en partage a. l'affaire là-bas, on rajoute ça au budget. Allez hop, soyons fous. Alors, 2019, autre fait marquant, c'est la naissance de Webtoon Factory qui arrive dans les starting blocks chez Dupuis. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette arrivée, Alix? Bah ouais, carrément. Donc là, je parle pour Cédric, hein. Cédric, si tu nous écoutes, tu aurais raconté ça encore mieux que moi. Mais je pense que ce qui est hyper chouette avec la Webtoon Factory, c'est que ça montre bien comment Dupuis, le journal Spirou, tout, en fait, toute la maison d'édition s'influence pour créer, enfin, pour de la création, en fait. Parce que, donc, pour la petite histoire, c'était pour les 75 ans de Spirou qu'il avait été demandé d'imaginer, OK, quelle serait la grande innovation de demain pour le journal Spirou? Puisque donc le créateur avait été précurseur. Donc comment on reste dans cet esprit d'innovation-là? Et c'est en fait un graphiste de notre studio multimédia, Marc, si tu nous écoutes, qui a dit, bah écoutez, le journal Spirou de demain, ça sera du webtoon. Et donc c'est parti de là, toute l'histoire de la Webtoon Factory. Au début, ils se sont dit, bon, bah, on a accès à un tel catalogue chez Dupuis que bah, le plus simple, ça serait d'adapter nos BD et de les mettre au format Webtoon.
Et puis, en fait, en continuant à en parler, l'équipe s'est rendue compte que, bah non, Dupuis, le journal Spirou, c'est de la création. Le webtoon, ça va s'adresser à un public adolescent, adulte. Donc, il faut qu'on crée du contenu. Et c'est comme ça que c'est vraiment devenu la Webtoon Factory. Et que, un an plus tard, sont sorties les premières histoires du contenu inédit. Donc, que vous voyez passer sous vos yeux. Ça, c'est vraiment les toutes premières séries qui sont apparues sur la Webtoon Factory. Et pour terminer sur donc les ponts qu'il y a entre le journal Spirou, entre Dupuis Édition et puis maintenant la Webtoon Factory, en fait, ben, deux des membres de la rédac du journal sont venus bosser vraiment sur la Webtoon Factory. Et il y en a même un, Julien, qui nous aide beaucoup pour créer cette émission de Culture Bulle, qui est Oh, devenu à salut. plein temps sur la Webtoon Factory. Donc voilà, c'est un beau vivier d'imagination, je pense, tout ça. Comment est-ce que tu vois l'arrivée du webtoon Morgane? Est-ce que c'est tu trouves ça chouette? Bah, bien sûr que tu trouves ça chouette, mais est-ce que tu as quand même un œil sur les auteurs en te disant ah, tel auteur ferait un bel auteur dans le journal de Spirou? Je te vois filou, je te vois Évidemment. bien filouter comme ça. Évidemment, ben, enfin, je l'ai dit plein de fois, mais il faut rester attentif à ce qui se fait, à la création d'aujourd'hui. Donc on regarde ce qui se fait dans plein de domaines. Généralement, dans les webtoons, ça s'adresse plutôt aux adolescents, qui est un public qui est moins dans le cœur des histoires de Spirou. Mais effectivement, il y a des talents dans la Webtoon Factory qu'on suit et qui, sans doute, un jour, auront, ben, j'espère, envie de faire aussi des BD pour le format spécifique de Spirou. Clairement, ouais. Faut rester D'accord. attentif, hein. Il y a encore une fois énormément d'œuvres qui sont disponibles sur l'application Webtoon Factory. Il me semble que c'est plus d'une centaine. Et tout ça géré par vos équipes. Moi, je tiens à souligner que Webtoon Factory, ça a aussi le petit aspect laboratoire qu'avait Spirou au début, dont on a parlé tout à l'heure, où vraiment beaucoup d'auteurs, comme tu le disais tout de suite, arrivent dans le format Webtoon et peuvent se lâcher, peuvent essayer des choses différentes, parce que quelquefois, on n'est peut-être pas fait pour de la bande dessinée, peut-être pas fait pour du manga, peut-être pas fait pour du webtoon. Et je trouve ça chouette d'avoir justement le choix entre les trois pour les auteurs d'aujourd'hui. Donc sachez, messieurs les auteurs, que Morgane a un œil sur vous, a un œil pour vous, et n'hésitera pas à vous shipper à la Webtoon Factory et à vous transférer directement. On parlait du Barça et du Real tout à l'heure, à vous transférer directement au journal de Spirou. Sébastien, c'est bientôt ton tour. Je vois que je regarde mon petit chemin de fer. On va pas tarder à parler de Vega Dupuis, puisque nous passons tout de suite. Dans les années 2020, ben on est dedans, c'est la dernière décennie, On c'est est pas mal. complètement dedans. Complètement dedans, avec donc l'arrivée de Vega Dupuis en 2020, c'est bien ça, Sébastien? C'est ça, tout à fait. Ouais, complètement. Et Vega Dupuis, justement, dont Stéphane a été lui aussi un gros, gros lecteur du journal de Spirou. Ben oui, c'est ça. Donc en fait, Vega Dupuis, c'est le rachat par Dupuis de Vega. Vega étant à la base un label créé par Stéphane Ferrand, ancien créateur du Virus Manga et directeur éditorial de Glénat Manga pendant, je sais plus, presque une dizaine d'années. Et du coup, oui, c'est d'autant plus marrant que du coup, Dupuis ait repris Vega. Et avec du coup Stéphane Ferrand, puisque Stéphane, oui, c'est un gros lecteur du journal Spirou depuis son enfance. Il a commencé en lisant les journaux, les journaux de Spirou de son père, avant lui-même de rester abonné quand il était adulte, puis d'abonner son fils, qui lit aujourd'hui le journal de Spirou. Donc c'est une vraie histoire familiale chez lui, donc c'est assez cool. Et c'est vrai ouais, quelque part, il est rentré à la maison un peu. Ah, c'est bien sûr, c'est encore une fois une histoire de boucle bouclée. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les œuvres que vous éditez chez Vega Dupuis, notamment sur mon coup de cœur qu'on voit à l'écran, Manchuria Opium Squad? On va pas le repitcher, mais il Non. y a beaucoup d'œuvres dont on n'a pas encore eu l'occasion de parler. Par exemple, on a par parlé rapidement de Mimizuku la dernière fois, mais tu peux peut-être nous en dire plus, Sébastien.
Alors Mimizuku, effectivement, alors pour en parler rapidement, alors je vais d'abord resituer un peu le catalogue Vega. C'est vrai que le catalogue Vega, c'est plutôt en termes de manga, on est très très marqué Seinen, puisque les titres qui nous ont fait connaître historiquement, c'est Le Bateau de Thésée, Natsuko no Saké, les deux qui étaient comment la sélection officielle du festival d'Angoulême. Donc là, dernièrement, en début d'année, on a sorti donc deux gros seinen avec Genesis et Manchuria Opium Squad. Pour autant, on essaye de s'ouvrir très régulièrement à d'autres genres. Donc, on a fait du shonen assez régulièrement avec Birdman, par exemple, de Yelo Tanabe, qui est l'autrice de Kekkaishi. On a sorti au mois de septembre de l'année dernière, on a sorti Lucha, qui est une série de fantasy qui se passe dans la Pologne, dans une Pologne fantasmée, avec des armures à vapeur. Et en shoujo, en fait, on avait un seul shoujo jusqu'ici au catalogue, c'est Chisako Garden, qui est une œuvre de Yukiko Dama, qui a été publiée en France avec Kids on the Slope. Et c'est une belle histoire, un one-shot, c'est des petites histoires courtes, c'est un recueil de nouvelles avec une ambiance très Arrietty et le monde des chapardeurs, tu vois, de Ghibli. Et du coup, on est allé sur un truc très différent avec Mimizuku. L'idée étant à chaque fois d'essayer de trouver, en fait, l'ADN du catalogue Vega, c'est d'avoir des œuvres qui ont d'abord une patte graphique intéressante et qui ont également un scénario un peu, justement, un peu qui sort un peu de ce qu'on voit habituellement chez les autres éditeurs. L'idée étant justement de ne pas faire ce que font les autres puisqu'ils le font déjà très bien. Et du coup, Mimizuku, on est sur un récit en quatre tomes qui se passe dans un monde imaginaire et en fait c'est adapté d'un roman, d'un light novel qui a cartonné au Japon puisqu'il a récupéré le prix, il a gagné le prix du light novel d'Engeki, j'ai plus l'année, en 2018 je crois. Et en fait c'est un manga de fantasy où on va suivre une jeune fille dans une forêt avec des démons, où elle va essayer de cohabiter avec eux. Je vais essayer de pas trop en dévoiler, mais en fait, c'est une très belle série qui parle de thèmes assez durs, puisqu'en vrai, l'héroïne essaye en fait de se faire manger par les démons, parce que tout simplement, elle trouve que la vie n'a plus rien à lui apporter, parce qu'elle a une vie trop dure, et donc elle essaye d'y mettre un terme. Voilà. Super triste. Et du coup, en rencontrant des démons, des créatures dont, a priori, du coup, on se dira, ah, mon Dieu, elles vont être terribles, etc. Elle se dit, ah, ben, ils vont me manger, etc. Eh bien, on va se rendre compte que, bah, justement, les monstres n'en sont pas forcément ceux qu'on croit. Et c'est une très belle œuvre, en fait, justement, qui aborde des sujets très durs et très sensibles d'une très belle façon, pardon. Avec un dessin très détaillé, très expressif. C'est un manga qui est publié dans le Hanato Yume, qui est l'équivalent en shoujo du Shonen Jump. Donc D'accord. voilà, un titre qui débarque au mois de juin et que je ne saurais que trop vous conseiller. Alors, d'accord, j'allais te demander justement la date de sortie, mais c'est au mois de juin. Il y a bien sûr d'autres héros qui feront leur retour ou leur apparition dans le courant de l'année, dont notamment Spirou. On peut passer au planning des sorties. Vous n'avez pas remarqué la transition tellement elle était smooth. On fonce Ah là tout là. droit. On fonce tout droit vers le planning des sorties. Donc on aura deux fois Spirou cette année, avec enfin deux fois, non, Exactement. c'est pas tout à fait ça. On aura On a trois fois double de Spirou, ouais. Spirou, trois fois Spirou, mais une super le numéro spécial donc des 100 ans qui est là. On a aussi Spirou, Yes. l'espoir malgré tout dont on a parlé tout à l'heure et qui a été au festival d'Angoulême avec le prix Fauve, c'est bien ça, Morgane? Non, C'est la attends. fauve de la. De la meilleure Vas-y, série. Alix. Ouais, De la fauve de la meilleure meilleure série, de série. la meilleure Alors, saga. Meilleure série ou meilleure donc je saga? pense déjà pour dire le journal Spirou, donc spécial 100 ans, dont on a beaucoup parlé, qui reprend tous les gags de reprise par d'autres auteurs que les auteurs originaux, et qui reprend aussi ces anecdotes donc par décennie. N'hésitez pas à le trouver donc en kiosque si vous n'êtes pas déjà abonné. Donc il est disponible. Et ensuite, on vous donne rendez-vous donc en mai pour découvrir la fin du Spirou, l'espoir malgré tout. Je pense qu'on peut mettre le visuel. Donc si Yes. tu l'as, celui que je t'ai envoyé tout à l'heure. Donc il faut savoir que l'espoir malgré tout, c'est quatre parties. La troisième est sortie assez récemment.
Et à ce moment-là, on a eu justement à Angoulême le FOV de la meilleure série, donc très belle récompense qui a été remise à Émile Bravo. Et on arrive là donc le 20 mai avec la conclusion, très belle conclusion donc de cette œuvre d'Émile. En quatre tomes. Donc ouais, en 4 tomes. Et pour ceux qui sont vraiment passionnés et qui n'avaient pas encore eu l'occasion de le lire, il y a aussi un tome préquel, enfin, qui était sorti avant, qui s'appelle Le journal d'un ingénu, et qui à la base est la BD qui devait être juste un one shot, mais on s'est dit non, Émile a trop de choses à dire sur cette Seconde Guerre mondiale, il faut lui donner toute sa place. Et toute sa place chez nous, c'est 4 très belles albums. On n'a pas le visuel, Doug? Tu Doug, m'entends? est-ce que nous avons le visuel? En tout En tout cas, cas, c'est c'est de non, de ne ne pas pas avoir. avoir. Pardon, pardon, pardon. Waouh! Ouais, Ouais, on nous on voit voit dans dans l'oreillette, j'ai l'oreillette, toujours toujours rêvé rêvé de de me me dire dire ça. ça. Alors, Alors, dans dans l'oreillette, l'oreillette, on on me me dit dit quelque quelque chose? chose? Oui, bonjour, nous n'avons pas l'illustration. Nous Nous n'avons n'avons pas pas l'illustration. l'illustration. Ah, c'est dommage, mais n'hésitez pas à venir Bon. faire un tour sur le site internet Dupuis ou sur nos réseaux sociaux. On va la publier peut-être demain, peut-être ce soir, mais vous aurez l'occasion de la voir. En tout cas, ça devait être un one shot et du coup, c'est devenu c'est devenu une œuvre en quatre tomes, ce qui a été une bonne chose vu que ça a été récompensé. Il y a aussi un autre Spirou qui arrive au mois d'août, Alix. Exactement. Donc on a annoncé ça à Angoulême, c'est un grand événement, car la série mère dont vous êtes tous Ah, lecteurs, on a je le pense, visuel qui est ah arrivé. voilà. Spirou, Voilà, donc l'espoir malgré tout. c'est ça sous vos yeux. Donc première partie, deuxième partie, troisième partie et quatrième partie qui arrive tout prochainement. Donc ça dans votre bibliothèque, c'est très beau, c'est très bien, c'est à conseiller, Ouais. c'est à Le lire. 20 mai avec le petit logo d'Angoulême pour être sûr que vous n'oubliez pas qu'on a raflé le prix là-bas. Voilà. Exactement. Donc on Et donc parle je du disais, Spirou des Schwartz. tout à fait, tout à fait. En août, en fait, on vous donne rendez-vous également pour la reprise de la série mère. Donc, on sera sur le tome 56 des aventures de Spirou et Fantasio. Ça fait un moment qu'on attendait cette suite. Et là, ça y est, ce coup-ci, c'est Olivier Schwartz qui prend le dessin de cet album, sachant que Olivier Schwartz avait déjà fait des Spirou, vous le connaissez peut-être pour La Femme Léopard notamment, et le maître des hosties noires. Morgane ne fronce toujours pas les sourcils, je suis C'est bon, c'est en bon. terrain sûr, ça va. 10 sur 10. Et donc là, il est accompagné de deux scénaristes, un duo qui va ramener vraiment du sang neuf dans la série mère. Et alors du sang neuf, mais pour une nouvelle un petit peu dramatique, puisque cet album va s'intituler La mort de Spirou. Oh Donc là je n'en là. dis pas plus. Je vous donne rendez-vous fin août. Je ne donne pas encore la date exacte. On se laisse un petit peu de temps pour l'annoncer. Je vois Sandrine qui est dans le chat déjà sur le qui-vive, mais fin août, Exactement. rendez-vous pour découvrir la mort de Spirou. D'accord. Voilà. Morgane, tu as dû déjà le lire. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, vu que Alix est très, 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 très peu bavarde? Mais je peux vous dire C'est la je peux première vous fois qu'on dire me dit qu'il ça. sera en pré-publication dans Spirou. Donc on pourra lire Bah, ça tue. avant l'album dans le journal Spirou. D'accord. À quelle date environ? Alors, à partir de cette semaine, il y a un épisode chaque semaine pendant 7 semaines. Puis il y aura une petite D'accord. interruption, le temps de découvrir l'espoir malgré tout. Et puis à la fin de l'espoir D'accord. malgré tout, on rebasculera vers cette 56e aventure. C'est un gros, Donc il y gros, aura gros du full programme. Spirou. Voilà, pendant 3 mois, il y aura du Spirou tout le temps dans le journal Spirou. Ça tombe bien. Ça Ouais, ça tombe va. grave bien. En tout cas, on a un Ouais. gros, gros, gros programme autour de Spirou. Morgane, on va te remercier d'être passé dans Culture Bulle. Mais avant ça, Avec on plaisir. va pouvoir passer au concours parce que je sais que beaucoup de personnes attendent ça. On a pas mal de lots aujourd'hui, c'est les 100 ans. On s'est dit, allez, on y va. On envoie On un fait un maximum gros de lots. lot. Un Non, on en gros fait lot, un, justement. mais gros. Ouais. Mais la personne qui va le gagner va s'en souvenir toute sa vie. C'est ce qui est important. Est-ce que moi je peux jouer ou c'est interdit? Sûrement pas, monsieur.
Ah A bah. priori, tu connais Bon, ça déjà. va. En fait, on va faire gagner un peu de tout l'univers de Dupuis dont on a parlé aujourd'hui. Ah On va faire gagner un numéro du journal Spirou spécial 100 ans dont on a beaucoup parlé et dont vous avez très envie de faire la lecture. On va faire gagner également un album. Et je trouvais qu'on n'avait pas assez parlé du Marsupilami dans cette Ah, émission, du qui tout. est quand Ah oui, même Marc, un plus héros archiculte et toujours hyper moderne, hein, puisque c'était quand même l'écologie, la protection de la nature, tout ça, ça nous parle aujourd'hui, on a besoin du Marsupilami. Et donc cet album, c'est un Oubagag qui est sorti très récemment et qui reprend plein de gags géniaux du Marsupilami. C'est très très sympa à lire. On parlait justement de héros dont on avait envie de lire et relire. Et franchement, pour moi, le Marsu, c'est ça, c'est du feel good. Et Sébastien va ajouter un manga à ce lot. N'est-ce pas, Sébastien? Exactement. J'allais surtout dire que je crois que le Oubagags, en plus, c'est la première fois que ces gags sortent en album, si je dis pas de bêtises. Il me semble que le truc a déjà été publié, mais ça a été jamais sorti en album. Je viens de m'organiser. Je mettrai pas ma Oui, main à couper ici. non, il y avait une version collector en noir et blanc il y Oui, a c'est 2 ou 3 ça. ans, mais un tout 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 Ouais. petit tirage, quoi. Ouais. Voilà. Donc C'est ça. c'est plutôt rare. C'est pas C'est totalement ça. inédit, mais c'était plutôt très rare. Et c'est en Qu'est-ce que tu nous couleur. offres comme manga, Sébastien? Qu'est-ce que tu nous Ah bah, offres Team Phoenix. dans cette box? Team Phoenix. Ok, Of Team Phoenix course, le sang de la de veine. Kenny Ruiz, pour le coup. Et L'excellent. on a Voilà, Et en... Et en plus de ça, on va ajouter, et malheureusement, je l'ai pas pris dans mes mains, donc il va falloir me faire confiance, puisque je parle pour Cédric, qui est malheureusement absent. Mais on va ajouter une très belle sérigraphie de Coven. Elle est si belle que moi, j'en ai récupéré un exemplaire et je l'ai encadré dans mon salon. Donc, croyez-moi sur parole, celui qui gagnera ce gros lot avec tout ça sera très content de cette affiche de Coven, donc, qui est une série à découvrir sur la Webtoon Factory, qui est très très chouette. Il y aura donc Donc, un ce sera un euro beau lot. gagnant ce soir. À vos claviers, préparez-vous. Le mot-clé pour gagner ce concours, pour gagner cette énorme box Dupuis, faite avec amour, oui, on peut dire avec amour. Le mot-clé est point d'exclamation 100. C'est parti. On vous laisse 2-3 minutes, le temps de Sans le poser une chiffre. dernière question. Ouais, sans le chiffre, s'il vous plaît. 1 et 2-0, s'il vous plaît. Ah, c'est parti. Ça nous laisse le temps de poser une dernière question à Morgane. Qu'est-ce que vous nous préparez en 2022, à part ce dont on vient de parler? Comment tu vois les 5 prochaines années en tant que rédac chef? Moi, mon rêve, c'est que le journal redevienne aussi culte que, je sais pas moi, les Pokémon dans la cour de récré des enfants. Si on arrive à ça, c'est bon, je suis content. C'est incroyable comme rêve. Rien que ça. Je vise un peu haut, quoi. Comme ça, on a la C'est chance d'atterrir un rêve en même pas temps. loin. Tu vois, Et pourquoi pas? c'est un C'est. rêve. Sinon, ça sert à rien, quoi. Si c'est pour rêver que, je sais pas, tu vois, que demain il fasse beau, c'est nul, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, qu'on remplace les Pokémon dans les cours de récré par des journaux Spirou. Ça, ce serait quand même Yes. beau. C'est grave. Et toi, Sébastien? Comment tu vois, qu'est-ce que tu imagines, qu'est-ce que vous imaginez dans l'équipe Vega Dupuis? Vous avez déjà plein de sorties, tout ça, mais est-ce que vous avez des objectifs que vous pouvez partager avec nous ce soir? Eh ben ouais, j'aimerais bien que dans la cour d'école, on remplace les Pokémon par des Manchurian Open Squad. Manchuria Opium Squad carrément, genre à la place des Pokémon, c'est. C'est chaud, hein? Je te l'ai déjà dit, Sébastien, mais j'adore ton humour. Et toi, Alix, toi, Alix et Morgane, c'est un peu la même chose ou pas du ou non? Peut-être pas. Moi, est-ce que c'est la même chose que Morgane? Bah, j'ai très envie que le journal Spirou remplace les Pokémon. J'ai très envie que Ouais. Vega remplace les Pokémon. Je Yeah. pense que Spirou, l'album, doit remplacer également les Pokémon, hein. Il ne doit plus rester un seul Pokémon. Bon, je pense que c'est pas Attrapez-les c'est tous, tu si. disais.
Je pense que c'est pas nécessaire de poser la question à Cédric. Heureusement qu'il n'est pas là. On aurait eu 3 fois la même réponse. Ouais, 4 fois la même réponse plutôt. Mais en tout cas, on va mettre un terme au concours. Est-ce qu'on a un gagnant, Doug? S'il te plaît. C'est parti. Le temps que Doug sur le concours, je tiens juste à préciser qu'il n'y a que Cédric qui aurait eu bon, parce que s'il y a quelque chose qui risque de remplacer un jour dans la cour de l'école, c'est clairement le webcam, en fait. Hein. Grave, grave, grave. Tu sais que j'en vois de plus en plus de personnes lire des webtoons quand je viens à Paris ou dans le train ou dans le métro RER, tout ça. Je vois de plus en plus de personnes sur leur téléphone en train de swiper comme des dingues. Et justement, c'est le geste de la Pokéball dans, enfin, laisse tomber, dans Pokémon Go. On a donc une gagnante ce soir qui s'appelle Skybraze. Félicitations à toi, tu as gagné la box. Je te laisse contacter. En chat du puits Du plus direct direct. directement, tu laisses tes coordonnées et on t'envoie tout ça directement chez toi et tu pourras même revenir dans l'émission nous faire un retour. Culture Bulle, ça touche à sa fin. Encore une fois, merci Morgane d'être venu, d'être passé nous partager ton énorme expérience en tant que rédac chef. Moi perso, je vais aller chercher demain le numéro du journal de Spirou parce que je l'ai pas eu, donc je vais aller le chercher. Je ne vise personne en disant ça. Et on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Culture Bulle. Merci à vous d'être resté. Sébastien a Annonce quelque chose à dire? le raid. Juste annonce le raid. D'accord. Oui, on a un raid, justement, restez connectés. On a un raid, on vous envoie chez un streamer. Souvent, c'est un artiste, j'ai pas eu le temps de checker qui c'est. Mais restez connectés, allez voir le raid, allez saluer de la part de Culture Bulle tout ce petit monde-là. Et nous, on se dit à lundi prochain. Encore une fois, merci Morgane. Alex, Salut, ciao, merci pour ciao. votre Sébastien, accueil. ciao. Salut. Merci Doug, merci le Merci. chat. À lundi prochain. Salut à tous.